Bonjour, bonjour à tous. J'ai oublié l'explosion, les amis. Ah, je vais mettre l'explosion, allez, parce qu'il y en a qui attendaient l'explosion. Bonjour, bonjour à tous. écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que le Covid vous fait pas trop de misère. J'espère que le couvre-feu à 18h, vous arrivez à gérer. Ma foi, je vais saluer tout le monde, vous êtes déjà beaucoup, on a Antonin qui est parmi nous, on a Marco Verato, autant pour moi, on a French Geek, on a Sylvain de Campou, salut à toi Sylvain, donc ça c'est sur Twitch, faites coucou si vous voulez que je vous salue mes chers amis. On a Romain Grossemain sur YouTube, on a Manuel, on a Fred Bulliard, on a Yannick Bouvard. Eh bien, je vous salue tous. Je vous salue. On va aujourd'hui... Non, Jésus-Marie, non, je vous salue pas. On va parler aujourd'hui, on va discuter avec Michael Chalet, qui est notre invité sur la chaîne, donc notre cher Michael Chalet, Mitch pour les intimes. Et je vous rappelle que la semaine dernière, nous avions Nico Robineau qui est venu tchatcher sur la chaîne, discuter avec nous tous. Et ben, il nous a parlé voyage, il nous a parlé SEO, il nous a parlé relations presse, etc. Donc, en général, de ses projets, de sa vie. Et je vous invite à aller voir le replay si vous ne l'avez pas vu. Au niveau de la veille, alors, les news et la veille. Alors, j'ai mis des petits trucs sympas qui vont vous permettre d'interagir avec le live. Donc si vous tapez point d'exclamation A par exemple, ah voilà, vous avez la possibilité depuis le chat de déclencher des sons, des samples que j'ai ajoutés. Ah, c'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Hein. Je pense qu'on va bien rigoler, n'en abusez pas. Et non Xavier, il faut mettre un point d'exclamation, sinon ça ne marche pas. Ben, c'est ce que t'as fait. Ah ouais, mais alors... Ah, vous avez pas le droit ? Comment ça se fait ? Voilà, bon, on aura l'occasion de rigoler. Je vous rappelle que le 28 janvier, non pas le 27 janvier... On va rigoler. Le 28 janvier, non pas le 27 janvier, comme avait pu dire Laurent, il y a le poker SEO premier de l'année. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous tapez point d'exclamation poker dans le chat Twitch. Vous pouvez vous inscrire directement sur le serveur qui a été mis à disposition 62.210.57.158 sur le port 8087. Et si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le blog de Laurent Bourelli et si on tape point d'exclamation poker dans le chat, on a plus d'informations. Génial. Merci Antonin, j'ai fait mes muses avec le chatbot. On a Capitaine WP qui met à disposition des formations qu'il vendait et il les met en mode gratuit. Donc voilà, si vous voulez aller vous former à quelques points cruciaux sur WordPress, je vous invite à aller jeter un œil sur capitainewp.io. Prochaine session Caseo, mercredi 20 janvier, samedi 23 janvier et jeudi 28 janvier avec l'association SEO Camp. Pour ceux qui seraient intéressés, dépêchez-vous, les places sont limitées. Nouveauté, Your Text Guru, donc on a Guillaume qui nous a pushé une nouvelle fonctionnalité qui permet de suggérer des entités, donc des entités Wikipédia en fonction du contenu texte de la requête que vous êtes en train de, sur laquelle vous êtes en train de bosser et le texte que vous êtes en train de rédiger. Donc voilà, j'ai pris ici consultant SEO. On voit qu'on a des entités comme marketing électronique, édition numérique professionnelle, communication numérique, agence web, économie numérique, etc. Je trouve que c'est plutôt pertinent.
Et puis, vous avez un niveau d'intention détecté. Bon, évidemment, Europe, on le trouve tout le temps. Commerce et économie, régionale et France. Donc voilà, vous avez la possibilité d'accéder à ces nouvelles fonctionnalités sur Your Ah! Text Guru. Ah, c'est pas faux. Ah ouais, non, mais je sens que vous allez en abuser, je vais être obligé de vous bannir et tout. Ah, ça va me faire rigoler, ça. Tac, 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 qui c'est? Donc, bah, Xavier, je t'ai pas salué, mais tu es arrivé sur les entrefaits. On a Franck qui est arrivé aussi sur les entrefaits. Anthony C, disciple de Batman, fitness de la vérité. Ça, c'est un pseudo, mon gars, je te dis pas quoi. Hein. Et puis Romuald Paris qui est arrivé aussi. Salut à toi. Et Yannick, non, ça marche pas sur le chat YouTube, ça marche sur le chat Twitch. Les interactions avec le public sont beaucoup plus intéressantes avec Twitch. Salut Olivier. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à utiliser Twitch plutôt que YouTube. YouTube, c'est très bien pour les replays, c'est très bien pour ranger tout ça. Mais pour le live, je vous invite à venir sur Twitch. C'est plus rigolo. Oh, la belle prise. Voilà, la belle prise. Nous avons Jean Bombeuse qui nous a partagé une superbe vidéo sur GA4. Je vous invite à aller jeter un œil sur cette vidéo si vous êtes amateur d'analytics et si vous voulez vous renseigner sur le futur de l'analyse de la statistique web. Je l'ai mis dans les chaînes conseillées sur la chaîne YouTube. Si vous tapez point d'exclamation YT, vous avez le lien vers la chaîne YouTube directement. Quoi d'autre? La masterclass de la semaine prochaine, je vais participer. Je vais me refaire une petite mise à jour masterclass des frères Perronnet. C'est les 26 et 27 janvier. Je ne sais pas du tout s'il reste des places. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Ça va être d'enfer. Voilà, je peux pas aller au ski. Alors bon, j'ai investi le budget ailleurs. J'ai découvert. Alors bizarrement, il y a eu beaucoup moins de com sur la deuxième session que sur la première. Nous avons un SEO Garden Party numéro 2 le jeudi 28 janvier 2021 avec toute la team de Lynx Garden. En présentateur, il y aura Jackie et Patrick Valibus, si je ne m'abuse. Le Wheel of Speed, 28 janvier 2021. Ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai appris aussi cette semaine que le SEO Camp Lille aurait lieu le 11 février. Il y avait un appel à intervenants jusqu'à hier, je crois. Ouais, c'est ça, jusqu'au 18. Oui, ouais. Voilà, SEO Camp en ligne, évidemment, hein, puisque. Ah! Ah! Oh, ça va me faire délirer ce truc. Le Discord est toujours à disposition. On est de plus en plus dans cet espace. Alors, vous inquiétez pas, ça pop pas dans tous les sens. Je trouve que pour 130 personnes, vous êtes plutôt très calme. Et donc, c'est ici. J'ai fait quelques petites retouches pour que ce soit joli, etc. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Il y a déjà Antonin qui m'avait suggéré une mise en place particulière. D'ailleurs, Antonin, tu as viré le serveur, le channel que tu avais créé. Je voulais mettre en place, et puis au final, j'ai vu que tu l'avais viré. Si tu peux juste le réactiver ou non, point d'exclamation, prout, ça marche pas, Yeka. Je pourrais, mais ça va trop me faire rire. Donc voilà, Antonin, si tu peux remettre en ligne ce que tu m'avais fait comme exemple, je trouvais ça très très bien. Et je te remercie, j'avais besoin de place. Ah bah d'accord, ok. Tricaya.fr/Discord pour avoir le lien permanent vers le channel Discord. Si vous voulez rester informé, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube sur YouTube si c'est ce que vous préférez. Vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook. D'ailleurs, Facebook, est-ce qu'il marche? Ouais, Facebook, il marche. Alors, la semaine dernière, j'ai cru qu'il ne marchait pas ce compte Facebook.
Et puis en fait, ben, il a totalement marché. Ça a enregistré la vidéo et tout. Ça l'a publié. Ok, bon, d'accord. Soit. Donc, c'est assez résilient comme système. Donc, sur Facebook, vous pouvez vous abonner. Sur Facebook, ce que je trouve bien, c'est que ben, déjà, quand je crée un événement, il prévient les gens qui sont abonnés. Et puis, quand l'événement va arriver, il fait des rappels, etc. C'est plutôt bien foutu quand même, hein, qu'on se le dise, même si j'ai plein de choses contre Facebook, mais c'est quand même plutôt bien foutu. Et puis enfin, sur Twitch, vous pouvez follow la chaîne et vous aurez un petit pop-up qui apparaît quand la chaîne est en ligne ou quand les chaînes que vous suivez sont en ligne. Antoine SEO Friendly a retiré son message. Ah, c'est dommage. Attends, il n'est pas inscrit quelque part quand même? Pour le moment, je te conseille juste de faire des rôles pour les membres. Ouais, ok, merci Antonin. Sinon, le Discord est plutôt bien. Quelques petites modifs, mais plutôt bien. Ouais, je pensais faire aussi mettre en place des salons vocaux. Deux salons vocaux, si il y en a qui veulent échanger en fait en vocal directement sur le channel. Vous pouvez le faire. On pourrait même imaginer, pourquoi pas, faire des travaux partagés, des choses comme ça pourrait être sympa. On fait ça sur un channel de poker et ça échange Ah, c'est beaucoup. pas faux. C'est pas faux. Ouais. Tant que tu es dans le vocal, oui, pourquoi pas. Tant que tu es pas dans le vocal, oui, pourquoi pas. Oui, faut se connecter au vocal. Après, il y en a qui partagent leur écran et tout. Il y a des sessions qui se font en live, des reviews de tournois, etc. Et je trouve que c'est vraiment bien pour bosser à plusieurs. Et je pense que ça pourrait s'appliquer au SEO, pourquoi pas. Et sans plus attendre, nous allons accueillir le grand, le beau, le magnifique Michael Chalet. Michael, tu es là, tu es en live. Oh, qu'il est beau. Merci. Salut. Ah! Salut Fred. Merci de ton accueil. Ouais, déjà, merci d'avoir pensé à moi pour venir rejoindre les quoi de passer derrière des beaux invités que tu as pu avoir dernièrement. Bah, avec plaisir. Et t'en as eu quelques-uns. Avec plaisir. Et il va Et y en après avoir dire que je suis d'autres. beau. Ouais. Et puis dire que je suis beau, bah, ça me flatte, quoi, ça me touche. Ah, tu rougis, ouais. Ouais, un petit peu, ouais. Je suis un peu timide, tu sais. Bon, ben c'est cool. Merci, Ah, c'est pas faux. merci. Ah, t'as pas les retours son, par contre. Non, j'ai pas. Ah non, ouais, moi je les entends pas en fait. Je lis en fait le fil à droite, Ouais. la coupe de cheveux, ça fait tard pour être invité. Ouais. Ouais, non, mais Ouais, tu sais, non. c'est notre troll officiel. Notre Ouais, petit bah troll, il ça, est tout ouais. petit, il est tout petit comme ça, le petit troll. Attends, je suis où là? Je suis là. Ouais, tout petit. Ouais, non, mais écoute. Bon, Mitch, Bon. bienvenue sur la chaîne. Merci. Je te laisse te présenter. Ouais, avec plaisir. Est-ce que tu veux partager ton écran? Je partagerai mon écran un petit peu plus tard, si tu es OK. Tu me dis. Quand on parlera un peu, ouais. Bah, donc me présenter, alors pour certains me connaissent, mais plus parce que on en parlait déjà vendredi, donc je suis Michael Chalet. Ça fait depuis 2003-2004 en fait que je suis dans le domaine du SEO. J'ai commencé en fait, bah, je suis vraiment arrivé dans le SEO par hasard, un accident de parcours, on va dire, mais un bel accident de parcours. J'ai fait un DUT informaticien de gestion. J'étais pas très bon en fait, quoi. J'étais pas très assidu et bah, ceux qui me connaissent un petit peu savaient que j'avais tendance à faire la fête, mais quand j'avais 18-20 ans, je faisais encore un petit peu plus. Et du coup, j'allais pas très souvent au cours d'informatique et il a fallu que je trouve un stage en fait pour Ah, valider c'est mon pas faux. DUT et j'ai terminé en fait dans une. J'ai pris alors. Je sais pas qui est présent, si c'est que des jeunes, mais j'ai utilisé les pages jaunes. Mais tu sais, le beau temps, quoi. Donc j'ai Ouais. cherché en fait dans ma petite ville de Brioude, en fin fond de l'Auvergne, Ouais. et j'ai trouvé une agence qui faisait du référencement qui s'appelait et s'appelle encore Brioude Internet. Donc je suis rentré là-bas en fait par hasard, juste pour faire j'avais donc un stage à la base initialement pour développer en fait
un mini logiciel, mais pour être franc, je comprenais rien en fait au dev, quoi, tu vois. J'étais vraiment pas fait pour ça. Et vu que la boîte était en pleine expansion, ils m'ont proposé en fait en me disant, est-ce que tu veux faire un petit peu de référencement naturel? Car on me dit que le son est pas terrible. Ouais, parle juste un petit peu plus fort, mais pourtant tu tapes dans le jaune tout le temps, hein, donc normalement ça doit Ouais. être plutôt ok. Et tu es au même niveau que moi, donc je vois pas en quoi c'est pas bon. D'accord. Je peux essayer de retoucher un petit peu vite fait, mais vas-y, vas-y, continue. Et donc je continue. Donc bah, je suis tombé par hasard en fait là-bas. Et puis vu que la boîte est en train de se développer, ils m'ont fait faire du. Ils m'ont appris en fait le référencement, mais le référencement de 2003-2004, donc il n'était pas le même qu'aujourd'hui. Et puis petit à petit, en fait, je suis monté en compétences, j'ai commencé à gérer des projets, puis des gros projets, et puis en 2008, j'ai décidé avec ma femme et ma fille de quitter mon Brioude natal pour m'installer sur Lyon. Et en 2008, j'ai fondé donc l'agence Top 10 Stratégie, qui a donc fêté ses 12 ans cet été, et qui est une agence SEO spécialisée plutôt dans le monde du e-commerce. Mais déjà depuis un paquet d'années. On en parlera peut-être un peu plus en détail, Fred. Bah Donc oui, voilà, donc j'espère bien. j'ai commencé tout seul avec ben tout seul et puis petit à petit en fait, j'ai recruté une personne, deux personnes et aujourd'hui on est six personnes. Donc répartis en deux pôles, un pôle plutôt pur SEO, un pôle plutôt édito et on en parlera aussi de la même manière tout à l'heure. Voilà, on travaille, comme je te le disais, essentiellement dans le monde du e-commerce. Et puis, ça fait, ouais, 12 ans que je suis devenu, lyonnais d'adoption. Mais une ville qui n'est pas simple à se faire adopter au départ quand tu arrives. Mais voilà, ça fait 12 ans et puis tu vois, on est plutôt bien installé. Ah, c'est pas faux. Voilà déjà un peu la présentation rapide. Je vois les conneries et je fais. Y a une Donc, question du disciple de Batman qu'on comprendra tout à l'heure certainement. Mais j'ai vu ta question, hein, disciple de Batman, on en rediscutera. Excuse-moi. voilà, et puis donc ça c'était l'enfant de ma boîte en 2012, et puis en 2000, c'est pour ça que je rougis un peu parce que certains me connaissent maintenant depuis 3-4 ans parce que je fais quelques événements SEO. Mais j'avais plutôt tendance à rester un peu caché dans ma grotte. Et autant dans la vie de tous les jours, en fait, je suis plutôt quelqu'un de souriant, je sais pas, tu vois, Avenant. ouais, avenant. Autant dans le monde pro, c'est pas que je suis pas avenant, c'est qu'en fait, le monde du SEO est un monde assez particulier. Et alors après, ça dépend, c'est libre, quoi. Chacun vit. À sa manière, mais moi, tu vois, je suis plutôt toujours un peu de mal à me dire, t'as une remise en question en permanence et je me sentais pas, et je sais que c'est régulier, mais tu vois, un peu ce manque de légitimité, de se dire, est-ce que je suis légitime pour pouvoir parler avec un tel ou avec un tel? Et en fait, il a fallu que, pour un événement de Julien, c'est là où on s'est vu la toute première fois, Fred d'ailleurs, Julien Jiménez, le Black and White SEO, c'est la première fois que je suis sorti de chez moi, en fait. C'est la première fois que je suis sorti de chez moi et où je suis allé dans un événement SEO. Et c'est là où j'ai commencé à côtoyer toi, Benoît, Paul, Lolo, etc., etc. Et d'ailleurs, on avait fait une bonne. Mais on va pas parler de ça, mais on avait fait une bonne Ah, fête vas-y, vas-y. le premier soir. J'avais fini un peu tout seul et j'avais été. C'est rigolo parce que j'avais tweeté Laurent. En lui disant, je voulais lui dire pourquoi t'es parti parce qu'on avait commandé une bouteille de whisky à trois plombes et il m'a laissé tout seul. J'ai terminé avec Sidney Govou, le footballeur. Ah Et bon? j'avais fait un tweet qui avait circulé à, je sais pas, ouais, 3-4 heures et j'avais identifié Lolo Bourelli en lui disant, j'avais voulu lui mettre pourquoi t'es parti. J'avais écrit Turquoise, test parti. Ah ouais. Et on sentait que le tweet était à l'image de ma tête à ce moment-là, tu vois. Et donc c'est comme ça que j'ai connu en fait Ah! un peu la communauté. Et puis alors après avec le temps, on avait, c'est sous l'impulsion de Julien, pareil toujours Corleone, créé en fait. Et puis il y avait Mickaël aussi Barbosa, créé un apéro SEO sur Lyon.
Alors là, c'est la période est un petit peu plus compliquée en ce moment. Ben oui. Mais on essayait d'organiser mensuellement des apéros SEO. Et là-dessus, tu vois, autant je peux manquer un peu parfois de confiance sur le côté pur métier, autant organiser des petites bringues, ça, je sais bien faire et j'ai aucun doute là-dessus, tu vois. On avait organisé on s'était éclaté, j'avais loué en fait une salle d'arcade avec des vieux jeux d'arcade auxquels on jouait quand on était gamin. Et on avait fait un apéro SEO là-dedans. On était, je sais plus, 45, 50 Ah oui. dans le truc. Et on avait fait une soirée gaming, ouais. Et c'est génial. J'avais organisé un bowling SEO. J'avais organisé comment ça s'appelle? Un laser game SEO. On avait essayé de faire quelques événements comme ça. Et puis, en fait, petit à petit, chacun est parti avec le développement de sa boîte. Et puis, ça s'est un peu perdu. Puis là, bon, depuis 1 an et demi, forcément, la situation est un petit peu plus compliquée. Mais c'est un Non, truc. pas du Après, tout. il y a David Janinker qui avait un peu pris la relève. Il y avait quoi? Donc, c'est bien parce qu'il y a toujours un peu. Il y a toujours des gens derrière qui, bah, quand certains ont moins le temps de l'organiser, on a la chance d'avoir une très, 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 très bonne communauté à Lyon, une communauté SEO. Alors, il y a d'autres endroits où Nice, par exemple, typiquement, C'est vrai. un mec comme Steph, et puis tous les autres Niçois là-bas, ils ont une superbe communauté aussi à Nice. Mais c'est vrai qu'à Lyon, on a cette chance d'avoir une très, très belle communauté avec un très, très bon état d'esprit. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire de plus sur ma présentation? Bah voilà. Bon, je crois qu'à peu près. Bah oui, j'ai commencé à. Si ouais. Et puis pour terminer, donc j'ai commencé à assister à pas mal de confs. Et puis depuis la fin d'année dernière, j'ai intégré le CA du SEO Camp. J'ai intégré le CA du SEO Camp. Et d'ailleurs, Fred, on a déjà pu avoir avec nous pour quelques échanges. Donc voilà, c'est une asso en laquelle je crois. J'ai voulu en fait m'investir cette année dans le SEO Camp parce que on a la chance en fait d'avoir une communauté en SEO qui est forcément, tu as des gens bien, t'en as des moins bien. Moi, je juge personne. Faut déjà se regarder soi-même, mais on a quand même la chance en fait d'avoir généralement, si on sort un peu, pardon pour l'expression, un peu les doigts, d'avoir du taf. Si on est motivé et que bah, il faut se baisser un peu pour le ramasser quoi. Donc peut-être que le jour où ce sera beaucoup plus difficile pour avoir du boulot, peut-être que la communauté sera peut-être un peu moins fun. Mais pour le moment et notamment depuis quelques années, depuis quelques années, je trouve qu'il y a du taf pour tout le monde quoi. En tout cas, quoi, nous on n'est pas à plaindre. Et je voulais intervenir dans cet asso parce que j'estime que le fait d'avoir une asso pour un job, comme le Ah, SEO, c'est pas c'est vachement faux. bien. En fait, avec mon peu de. Bah, et le temps que j'ai, et puis si je peux apporter une ou deux belles idées à l'asso, je le ferai avec grand plaisir. Ouais, Voilà. ben ouais, moi cette nouvelle J'ai équipe, fait le tour. elle me donne du baume au cœur. Bon, c'est vrai que Ah! les conditions. Ah! Les conditions sont pas très réunies, hein, on va dire. Mais clairement, j'ai bon espoir, c'est pour ça que je me motive aussi autour de l'asso. Parce que ben, c'est pareil, hein, sans cet asso, je ne serais pas là. Voilà, et sans le partage de tous les gens de la communauté SEO de l'époque, je ne serais pas là non plus. Et c'est aussi pour ça que je partage. Je dirais pas sans compter, mais presque. Ouais, mais toi tu partages beaucoup et c'est ce que je te disais en off. En fait, aujourd'hui on a quand même aussi et je pense que pour les petits jeunes et voire même moins jeunes en fait, des gens qui veulent apprendre un peu le SEO, t'as quand même aujourd'hui des gens qui donnent beaucoup sans attendre en fait énormément en retour, ce qui est ton cas, Fred, hein, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, tu fais en sorte en fait chaque semaine qu'il y a un live d'aller appeler quelqu'un pour qu'il vienne parler en fait de sujets assez pointus et ce que je t'ai expliqué tout à l'heure c'est que il y a aucun mal à ça hein, mais il y a des gens qui aujourd'hui ton contenu pourraient le vendre en formation alors que toi tu donnes quand même beaucoup en fait chaque semaine et pour ne jamais avoir organisé de live
j'imagine malgré tout, j'arrive à prendre conscience que c'est du taf. Alors maintenant, tu es un peu rodé parce que tu le fais depuis de nombreuses semaines, mais c'est du taf. Il faut préparer, il faut prendre les 1 heure et demie, 2 heures ou 2 heures et demie de live que tu vas faire derrière. Et bah, quand tu fais ça, tu factures pas un de tes clients, quoi. Donc, Non, non, c'est clair, mais ça me fait plaisir. Mais c'est pas le sujet, mon petit voilà. Mitch. Non. Voilà. Ouais, je sais que t'es timide, toi aussi. Non, non, je suis pas timide, mais revenons au sujet. Écoute, mais tu me fais penser à une idée. Ça pourrait être sympa qu'on fasse une interview, un de ces quatre, dans l'autre sens. OK. Oui, alors en termes de sujet, on avait évoqué en fait un certain nombre de points et justement une des premières choses en fait qui me semblait être intéressante à évoquer aujourd'hui, c'est que on a justement toi tu donnes beaucoup et j'estime qu'aujourd'hui je voulais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'étais passé un peu de petite agence un peu tout seul, avec un staff maintenant derrière, avec du monde derrière, et puis aussi une charge de travail en fait qui a considérablement augmenté. Donc il a fallu qu'on se structure. Aujourd'hui, on a en fait on a un certain nombre d'outils qu'on a fait développer chez nous, car les différents outils, et malgré le fait qu'il y a un paquet d'outils en fait qui existent sur le marché, répondaient pas exactement à tous nos besoins. Et je pense notamment en matière de netlinking pour trouver du domaine expiré. Et en fait, on s'est fait. Alors aujourd'hui, on a des outils sur le marché qui marchent très bien, comme celui de David, PBN Premium. On a PBN Labs, qui est un service australien de mémoire qui est plutôt assez bien fichu. Et en fait, en cherchant un peu des domaines expi, il y a de ça encore 4-5 ans, on le faisait plus en mode artisanal, où on allait récupérer les broken links chez Ahrefs, on les passait, quoi. Il fallait qu'on aille les prendre d'un côté, les mettre dans GoDaddy pour aller checker les 500 domaines, 500 par 500, pour voir s'il y avait de la dispo. Une fois qu'on avait ça, il fallait... Donc il y avait plein d'étapes en fait comme ça qu'on faisait à la mano, et même si aujourd'hui c'est mon point de vue, il n'engage que moi, et nous au sein de notre agence, on a une personne qui à plein temps va trouver des noms de domaine et va monter les noms de domaine, même si on a tout industrialisé au niveau de la détection, une partie de la détection et de les monter. Aujourd'hui, en fait, on est obligé d'avoir une personne qui va aller malgré tout. Il faut un contrôle humain derrière. T'as beau avoir des outils qui fassent globalement le job, il y a toujours un peu ce flair un peu entre guillemets du SEO aussi qui joue beaucoup et qui permet en fait de savoir si au fond je prends, je prends pas. Ah bah non, mais c'est clair, il faut une supervision à un moment donné. Si tu commences à mettre un algo qui achète des domaines tout seul, tu vas vite avoir ton banquier au téléphone. C'est ça, ouais. Non, mais c'est ça, ouais. Et aujourd'hui, en fait, des outils ont vu le jour et nous permettaient quand même de récupérer des données. Mais aujourd'hui, on est à peu près propriétaire de plus de 1 000 sites, en fait. Alors, ça peut paraître peu pour certains, beaucoup pour d'autres. Mais donc, on a un rythme, en fait, où on peut monter 50, 60, 70, 80, 90 sites par mois, en fait. Donc, faut les trouver, faut les acheter, faut les monter, faut les remplir, faut... Et donc on a essayé d'industrialiser au maximum cette partie-là et je voulais donner juste en fait montrer que un petit outil parfois pouvait faire une partie du job. Alors attends, je peux partager mon écran comment ici déjà? Alors attends, bah, je vais déjà arrêter le mien de partage. Voilà, hop. Vas-y, partage ton écran. Je partage mon écran. Ah ben, faut que je t'autorise. Oui, c'est ça. Là, c'est bon, tu peux. C'est ça. Ah, tu me dis Fred quand tu vois. Ouais, c'est good. OK. L'idée, en fait, c'est que aujourd'hui, pour trouver du domaine expiré, on peut aller chercher un peu partout. Et il y a une source, en fait, qui, à mon avis, est peu exploitée. Ça reste sur SEMrush.
Sur SEMrush, en fait, le gros avantage, c'est que, alors tout dépend de la version en fait que tu vas avoir d'abonnement à SEMrush, mais quant à la version gourou, tu as la possibilité en fait d'avoir les, de remonter en fait dans le temps jusqu'à, voire jusqu'à 2012. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est quand tu vas taper un keyword, tu vas pouvoir récupérer tous les sites qui se positionnaient à l'époque sur ce keyword, mais dans un laps de temps, ben, hier, avant-hier, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, nous, on a voulu en fait, en dehors de capter en fait des domaines expirés via les différentes, les différents lieux entre guillemets qu'on connaît, à savoir la web archive, genre du Ahrefs, comme on le faisait à l'époque, tu mets un site dedans, tu vas crawler, et puis via Screaming Frog, il te récupérait un petit peu déjà tout ça. Nous, aujourd'hui, en fait, on a un certain nombre d'endroits où on va taper. Et là, depuis quelques temps, on l'a plugué aussi sur SEMrush. Donc, en gros, le principe, c'est que si je vais taper, en fait, agence immobilière, là, la première chose, déjà, je vais taper, en fait, chez SEMrush pour récupérer les keywords. Une fois que je vais récupérer, en fait, ces C'est keywords, quoi, je vais c'est le cocher. Keyword Magic Tool qui te ressort ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Alors j'ai pas les volumes, mais je m'en fiche en fait. Encore une fois, l'idée est de trouver du domaine expiré Ouais, bien tu thématique. pourrais même les avoir, hein. Je pourrais les avoir avec les data qu'on récupère. En fait, Bah ouais. il a fallu, si tu veux, on a segmenté parce qu'en fait, encore une fois, l'intérêt aujourd'hui du, comment dirais-je, de cette petite brique sur cet outil, c'est en fait d'un côté, c'est d'avoir en fait les keywords de manière à trouver du domaine hyper ultra thème. Alors forcément, aujourd'hui, les domaines qu'on va trouver, c'est pas des domaines avec des métriques de fou furieux, parce que de toute manière, ça c'est des domaines généralement qui sont snappés et que tu vas aller acheter chez Dropcat chose en chair. Mais derrière, l'avantage en fait de faire ça, c'est que tu peux trouver du domaine ultra thème. Et donc moi, je vais lui dire, par exemple, je veux en fait que tu ailles taper et me trouver en fait sur ces keywords-là. Le fait de dire ça. Allez, on ne fait pas le coup de la panne. Ah, merde, le fait de dire ça, je vais créer mon projet. Donc lui, en fait, il va aller récupérer donc sur les différents endroits où on peut aller trouver du domaine expiré, y compris SEMrush. Et en fait, ce qu'il va faire sur SEMrush, c'est qu'il va remonter en fait de 2017 jusqu'à 2018, voire début 2019, mi-2000, ouais, on est quoi là, 2021, donc ouais, on va dire les 6 derniers, ouais, je dirais janvier 2020. Donc en gros, Ouais. il va partir de janvier 2020 sur SEMrush jusqu'à à peu près janvier 2017, janvier 2018, sur les 2 dernières années, et il va me récupérer tous les 2-3 mois, en fait, tous les 2-3 mois, il va me faire un appel sur le mot agence immobilier, je sais plus lequel j'ai pris, et il va me récupérer, en fait, les résultats qui s'affichaient à l'époque, Ouais. tous. Une fois qu'il me les récupère, là, c'est un compte bidon que j'ai créé. Une fois qu'il me les récupère, il va me dire les sources qu'il a trouvées et il va me récupérer en fait toutes les métriques. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a d'autres fonctionnalités qu'il faudrait qu'on ajoute à terme sur cette partie-là. Et ce qui est déjà intéressant, c'est qu'il va me dire, il a trouvé ce domaine, il est allé en fait voir que le domaine était dispo, il me le remonte là-dessus. Si je veux avoir en fait un certain nombre d'éléments, je peux avoir. Alors, ça fait pas le même job qu'on est bien d'accord qu'un PBN Premium, mais globalement déjà, ça me permet de voir un petit peu les différentes encres et après, je peux rentrer plus dans les détails. Mais globalement, ça me récupère en fait un listing assez simple que nous on peut ensuite regarder de notre côté et puis on va affiner en fait en fonction d'un certain nombre de critères. Parce qu'il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte. C'est quels sont les liens qui aujourd'hui pointent vers ce domaine-là? Est-ce qu'ils sont indexés? Etc., etc. Donc, on a plein d'autres questions, mais déjà, l'idée, c'était d'essayer d'aller récupérer de la data et de pouvoir ensuite, l'étape d'après, ça va être d'affiner encore un petit peu plus l'analyse, entre guillemets, pour déceler encore un peu plus facilement les domaines qui sont dispo. Les bons La plans, deuxième chose, voilà, les bons plans. Alors, ça reste du tout petit, encore une fois, mais parfois, ça fait, ça, tout dépend le keyword que tu vises. De toute manière, aujourd'hui, je reste persuadé que pour être efficace au niveau backlink, il faut de toute manière un peu petit, un peu moyen, un peu gros. Donc, faut être capable de temps en temps d'acheter un bon domaine chez Dropcat, chez Enchères. Faut être capable aussi d'aller trouver du petit comme ça qui fait parfois le job. Faut être capable d'aller d'acheter des liens sur les plateformes de vente de liens. Et c'est un peu ce combiné, un peu, c'est un peu le combiné gagnant. C'est un peu ce
ce micmac en fait de ces ces différentes typologies de biens qui permettent d'être plus efficaces. L'autre truc en fait aujourd'hui qu'on a aussi voulu faire, c'est cette fonctionnalité-là, c'est qu'aujourd'hui en fait sur Dropcatch tous les jours, je pense que alors, bon, je connais pas exactement tout le public, mais de savoir si, mais je pense que Dropcatch est connu globalement sur la quasi, par la quasi-totalité des gens qui viennent sur ton live, Fred. Pas forcément, non, 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 je Ah, c'est pas pense faux. pas forcément. Vas-y, vas-y, parle-en, dis-nous vite fait ce que c'est quand même, au cas où, je pense pas que tout le monde le connaisse. L'idée, en fait, c'est que Dropcatch est un endroit où, où des domaines et des centaines et des centaines, voire des milliers de domaines sont snappés, en fait, sont récupérés. C'est un système d'enchères pour acheter du domaine expiré. Snapper, pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est quand le domaine est en train d'expirer, qu'il est dans une séquence qu'on appelle pending delete. Et donc, en fait, pendant cette période qui dure à peu près un mois, seul le propriétaire, l'ancien propriétaire ou le registrar peut acheter, racheter le domaine, en fait, hein, qui est ni dans le domaine privé ni dans le domaine public. Il est un peu entre les deux. Et donc le fait de snapper, c'est de récupérer le nom de domaine à la microseconde où il expire. Chose que j'ai déjà tenté de faire, où je me suis bien, bien, bien croûté. Oh, la belle prise. Oh, la belle prise. je me suis bien croûté, parce que franchement, les services de snap de domaine, ils sont à la milliseconde, quoi. Et encore, je suis peut-être même gentil. Bah, un qui en parlerait bien, Fred, c'est David Chély, qui en parlerait très bien, puisque lui, c'est vraiment son dada, le domaine, et c'est vrai que c'est une mission qui est pas simple, mais donc ce qui est intéressant avec Dropcatch, c'est que forcément en fait, alors ça dépend encore une fois ce que tu vises et ce que tu souhaites faire en fait du domaine que tu vas racheter. Si l'idée c'est de monter plus un petit PBN, un petit réseau de sites très thématisé, aujourd'hui en fait c'est les solutions en fait qu'on emploie actuellement te permettent et puis les autres hein, du PBN Premium peuvent te permettre pardon de trouver en fait du domaine bien niché et qui peut plutôt bien fonctionner. Le truc qui est intéressant en fait sur Dropcatch, alors je vais peut-être me faire taper dessus parce que je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, ça arrive. C'est que tous les de mémoire, donc c'est tous les jours, il y a un fichier en fait qui est injecté, un fichier Excel en fait qui contient tous les domaines en fait qui viennent d'être qui sont en cours de snap, on va dire, et qui vont donc de mémoire 48 heures pendant 48 heures rentrer aux enchères. C'est-à-dire qu'en fait, hein, aujourd'hui, on est le 19 janvier. Le 17 janvier, il y avait un fichier Excel avec des domaines qui vont être enrichis, quoi, surenchéris, entre guillemets, pendant, en fait, pendant 2 jours. Donc, ce qui veut dire que le 21, en fait, janvier, le listing du 19 janvier, bah, les gros seront déjà éventuellement partis. Mais les petits, ce qui se passe, ce que j'ai pu voir, c'est que les petits, en fait, bah, si Dropcatch n'a pas d'acheteurs et donc d'enchères, le nom de domaine retombe dans le public. Ah! Et ce qui est super intéressant en fait avec ça, c'est que nous, on s'est fait justement une petite fonctionnalité avec cette outil qui permet en fait de récupérer en fait le CSV. Automatiquement, on peut donc injecter ces données là-dedans. Et derrière, en fait, il va nous prendre uniquement, il va nous trier en fait tous les plus petits qui sont restés et qui n'ont pas été racheter entre guillemets ou rentrer dans un système d'enchères et derrière on va trouver en fait des petits des domaines comme ça où ça va nous permettre d'avoir après la même fonctionnalité c'est-à-dire un listing en fait qui va nous sortir voilà un listing qui va nous sortir en fait des domaines alors avec la possibilité ici parce qu'on récupère toutes les datas bah, d'avoir en fait une possibilité de faire des filtres pour Ouais. trouver et si je vous montre donc ça, ouais. L'idée c'est ça. C'est que tu vois par exemple, alors je fais quand même ma tête, si je tape par exemple, que je me mets ici, donc ça c'est le fichier en fait Dropcatch où il y a 89 000 domaines, alors il y a de la merde hein, forcément, et puis si derrière j'utilise, 89 000 domaines?
Ouais. Attends, parce que là, Donc, on bon. voit pas, si tu nous montres quelque chose. Là, on voit ton Chrome. Ah. Ah merde. Ah merde, ouais. J'ai pas partagé. Ah! Autant pour moi, excusez-moi. J'ai pas partagé. Attends, J'ai pas je repasse partagé. en full webcam, je te laisse repartager. Là, c'est bon, du coup, je pense. Ouais. OK. Et là, vous voyez quoi? Vous voyez une Là, c'est nouvelle good. fenêtre? Ouais, c'est bon. OK. Voilà. Donc, du coup, en fait, ça, c'est le fichier, en fait, du 15 janvier qui s'expire, entre guillemets, le 16 janvier. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que derrière, on a 80 000 domaines. Moi, je vais pouvoir, en fait, d'abord faire un espèce de filtre en disant, je veux ça, je Et donc veux. là-dedans, il y a aussi ceux qui ont été, qui ont fait partie d'une enchère et qui ont été achetés, hein, on est d'accord. C'est ça, on est d'accord. Donc On est d'accord. il Hein? faut les virer, Mais quoi. là, regarde déjà. Alors, déjà, rien que. En fait, le truc, c'est que rien que quand je commence à faire un peu mes filtres au milieu, automatiquement, mon nombre de domaines, en fait, il est limité. Tu vois, il est très light. Donc, j'en ai plus que 154. Ouais. Ce que je vais faire une fois que j'ai fait ça, en fait, je fais un export. Une fois que j'ai fait cet export, alors, je vais re-switcher l'écran. Alors, je vais te Hein? poser une petite question qui me taraude depuis tout à l'heure, parce que si je t'ai parlé de l'histoire de Snap, de mon gros fail sur mon outil de Snap que j'avais créé, la principale problématique, c'était la vérification de la disponibilité du domaine. Et alors, si tu veux pas en parler, t'en parles pas, hein, mais... Tu utilises quelle machinerie pour aller vérifier la disponibilité du domaine? Alors, le truc de mémoire, mais j'ai peur de dire une connerie, donc je pourrais par contre, Fred, je sais que tu communiques régulièrement, je te donnerai en fait la ref, parce qu'en fait c'est un dev qui me l'a développé et je me souviens plus où est-ce qu'on tape en fait. Je sais pas si on tape pas chez Gandhi tout bêtement en fait, et qu'on a pour la dispo hein, du domaine, hein, Ouais. on est bien d'accord. Ouais. Hein. Je crois que c'est chez Gandhi, Ah, mais c'est pas faux. je pourrais que je demande à au développeur qui a développé à Sivan, qui a un pote à moi qui nous a développé cette partie-là, et lui pourrait te dire où il tape et Ouais, parce pourrait te le qu'on dire. se fait quand même relativement vite blacklister, hein, surtout sur des listes de cette taille-là, quoi, hein. Et donc là, il est en train d'aller vérifier en live ou quoi? Là, donc voilà, donc là j'ai injecté les 154 domaines. Et là, il va me sortir d'ici, j'en sais rien, 2-3 minutes, il va me sortir uniquement sur les 154, ceux qui sont vraiment dispo, Ok. et il va me sortir toutes les métriques. Ok, donc tu fais pas une vérification a priori, tu fais une vérification a posteriori. Donc déjà, ça aide à pas se taper les C'est ça. 80 000. C'est ça. Et une fois que j'ai ça, après, on va avoir un listing final où là, derrière, tu vois, sur les 154, il y en a peut-être que 50 qui vont être dispo. Et sur les 50, ensuite, on va les passer, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce que je t'expliquais, en fait, une personne, en l'occurrence Elodie, qui va aller, en fait, checker du domaine un par un et puis d'essayer de voir ceux qui méritent d'être intéressants ou pas. Une fois qu'elle les a, déjà qu'elle a fait un premier jet, un premier filtre. Dur comme métier. L'idée, c'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est pas simple. Aujourd'hui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on, et alors, je vais rien apprendre aux gens qui sont là, mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que ça fonctionne. Donc, c'est un métier qui est pas très, quoi. En l'occurrence, cette partie-là est pas hyper simple. Mais en tout cas, et ça nous permettra de rebondir sur le sujet d'après, sur la partie e-commerce. En tout cas, quand on a des résultats qui sont plutôt très intéressants, ce qui est hyper important en fait et que j'ai appris en fait à faire en développant l'agence Top 10, c'est qu'étant donné que moi j'ai des personnes qui sont vraiment sur la partie édito, que j'ai une personne qui est vraiment dédiée à la partie netlinking, j'ai celle qui gère plutôt la partie chef de projet et moi qui suis plus là en mode je contrôle un peu et puis j'essaie de trouver des opportunités de business pour nos clients. En fait, ce que j'ai pu apprendre avec le temps, c'est qu'à partir du moment où tu montres tes résultats et que ce soit l'équipe édito, que ce soit l'équipe de netlinking, que ce soit, en fait, ça te montre en fait que tu es une brique importante au sein d'une équipe.
Et aujourd'hui, tu vois, autant quelqu'un qui va faire de la tâche comme ça, si derrière tu lui dis trouve-moi des noms de domaine, mais qui sait pas ce qu'il en fait. Moi, tu vois, la personne, elle les trouve, elle les monte, elle les remplit, elle fait son lien, elle met le petit lien dans un tableau de suivi. Derrière, en fait, il y a des reportings qui sont faits ensuite sur l'efficacité du SEO. Derrière, elle est informée de l'évolution du positionnement, du trafic, voire du CA, en fait, de nos clients. Donc, l'idée, c'est pas simplement de dire, je suis un poseur de lien. Parce que ça, je trouve que, quoi, tu vois, j'aimerais pas faire un métier où derrière, tu fais un simple truc et que derrière, tu sais même pas à quoi ça sert, quoi. Ouais. Donc, en fait, on est plutôt, on est, alors, je vais arrêter le partage de temps. Tac. Non, mais attends, on peut repasser en mode webcam, hein, pas de souci. Bah, tu Ouais. vois, ça vient de se finir, non? Ah non? Ah, il est en train de tourner, ou alors il n'en a pas trouvé. Ouais, non, mais c'est pour ça que je disais que Je sais pas si c'est ça comme doit ça. être dur comme métier, hein, parce que enfin, moi, je sais que c'est vraiment pas ma tasse de thé du tout, Alors clairement. après, c'est pas, alors après, c'est pas, comment dirais-je? C'est pas uniquement, on passe pas uniquement par cette solution, bien évidemment. Comme je disais tout à l'heure, on passe aussi par d'autres outils. Et puis la personne qui va trouver les domaines exquis, celui-ci, cet outil, je peux pas le montrer. Je t'en avais un peu parlé vendredi, Fred. C'est un outil qui nous permet de monter en fait un réseau. Et là, en fait, en gros, l'idée, c'est, alors j'avais noté quelques éléments pour donner juste un petit peu l'orientation du truc. Donc c'est un outil en fait qu'on a, je crois, de mémoire 5 ou 6 serveurs. On doit avoir à peu près, quand même plus, on doit avoir 200 IP ou 150 IP. L'idée, c'est que notre outil, c'est ni plus ni moins en fait du template WordPress qu'on a cligné en statique. Et donc en gros, on a une centaine, 150 thèmes différents, je sais plus, qui nous permet en fait de monter un site en 1 minute ou 2 minutes et d'avoir voire même 1 minute. Et d'avoir en fait un back office en fait derrière qui nous permet de pouvoir à la fois éditer les contenus si on veut faire grossir ce site petit à petit avec une image en fait plus un site à la WordPress et avec un certain nombre de fonctionnalités qui nous permettent un peu comme WordPress hein, planifier la publication d'un article rajouter toutes les balises toutes les petites balises. Alors à l'époque, on avait mis toutes les balises schéma.org, donc qui nous permettaient d'avoir les avis, les trucs, les machins. On a la possibilité de cloquer en fait si on veut pas que les liens, quoi, en tout cas si on veut interdire certains bots, Ouais, si vous on voulez a la cacher le possibilité. réseau, aux Voilà, si on yeux veut de la cacher le concurrence, réseau, évidemment. c'est ça. On a la possibilité de gérer plusieurs rédacteurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité aussi de, quand on va acheter un domaine expiré, d'aller snapper en fait toutes les pages qui étaient indexées sur le domaine en cours et de pouvoir gérer notre plan de redirection pour éviter en fait que des pages qui recevaient à l'époque des liens soient totalement perdues. Donc voilà, et en fait l'idée en fait à chaque fois, on a la possibilité de gérer un site sur Google News avec cet outil parce que je pourrais vous en parler, je peux vous en parler aussi. Il y a un certain nombre de bons plans à faire sur Google News. Alors, je suis pas en train de dire que c'est bien, mais en tout cas ça fonctionne. Donc, l'idée c'est de récupérer du contenu à l'étranger et puis de le traduire. On a des solutions qui, certes, des solutions comme DeepL permettent de le faire avec une API, mais ça peut vite coûter un peu d'argent. Et puis on a des solutions, typiquement par exemple sous un WordPress. On a un plugin qui s'appelle WP Automatique qui permet en fait d'aller récupérer des flux, récupérer le contenu de l'article et de le traduire automatiquement dans la langue via Google Translate, ce qu'on souhaite. Oh, la belle prise. Et en fait aujourd'hui, je me suis un peu amusé avec ce genre de site juste pour faire des tests en fait. Encore une fois, l'idée c'est d'essayer de regarder jusqu'où on peut pousser en fait la machine. En tout cas, c'est comme ça que je vois le SEO. Et une petite anecdote, vu que Fred, je t'avais dit que je raconterai deux, trois petites anecdotes lors de ce live. Alors attends, je vais Là, te mettre en je vais laisser le suspense. Tu vas nous raconter c'est... une belle anecdote. Je vais quand même, avant qu'on parte sur cette fameuse anecdote, on va dire bonjour à Laurent, qui est arrivé parmi nous, Laurent Brély. On a Clément Pessot aussi, Bonjour. qui dit son tool de PBN est une vraie tuerie, de loin le meilleur jamais testé. Et
de paroles de Clément, je pense qu'il n'y a pas de souci, on peut lui faire Ah, confiance. Clément l'a vu, ouais. Il y a Julien Jiménez qui valide. Et donc Laurent nous demande si tu as vu les tweets des community managers Google par rapport aux expirés. Alors attends, déjà Fred, j'essaye tant bien que mal de revenir. Là, vous voyez toujours mon écran ou Non, 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 on est en webcam face à face. Enfin, côte à Alors, côte. ouais, mais je te vois plus. Non, mais c'est Je normal, cherche je te moi. partage pas mon écran. Là, on voit ton écran, en fait. Hein. D'accord, ok. Mais on le Ok. voit, on le... Enfin, moi, je le vois, mais les gens voient nos têtes. Ah, c'est pas D'accord, mais moi, facile, je vois hein? même plus. Ouais, là, je vois même plus ta tête. Du coup, pardon, excuse-moi, Lolo, il disait. Est-ce qu'on a vu passer les tweets des community managers à propos des expirés? Des community managers Google, pardon. Non, moi j'ai rien. Quoi, c'est passé quand, Lolo? J'ai vu passer un truc vite fait, Récent? je me suis pas trop attardé puisque je pense Moi j'ai vu un que... tweet qui disait que désormais, en fait, le fait de contacter en fait des blogueuses pour avoir des articles sponsorisés, Google aimait pas ça, un truc un peu dans ce style-là. Mais bon, c'était plus, c'était contraire au, voilà, c'était contraire au guideline de Google. Mais ça, sur la partie community manager de côté Google, ça me dit rien en fait. T'arrives à Je nous sais le pas. retweeter, Lolo? Enfin, ou à le transférer si tu veux pas lui donner trop de visibilité à ce truc. Seconde question de Lolo. Pardon, hein, Laurent, j'avais pas vu ton message, en effet, donc je ne t'ai pas dit bonjour, mais ça a été corrigé. Le prix et durée du dev du tool, parenthèse, pas obligé de répondre. Hein. Ouais, en fait, c'est un projet qui coûte. Alors, il y a plusieurs tools là en parallèle, mais celui-ci, c'est un projet qui coûte, j'en sais rien, 3-4 000 balles, 4-5 000 balles de tête, hein, comme ça, Ah ouais, donc Lolo. J'ai pas ça les. va. Ouais, non, 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 non. Non, après, le truc, c'est qu'on est trois copains en fait sur cette. Alors ça, c'est plus moi qui ai voulu partir là-dessus. C'est plus moi qui ai voulu là-dessus partir sur cette partie plus recherche domaine celle-là, mais sur le notre outil qui nous permet de générer en fait du réseau, on est trois dessus, donc c'est plus un projet à 10-12 voire 15K quoi. Mais tu vois, par tête Ouais, comme ça, voilà. c'est 5K quoi. J'avais plus ce genre de choses en mode plancher, parce que 5 000, ça me paraissait pas beaucoup. Mais oui, non, mais Voilà puis c'est donc. un outil qui a évolué, qui est parti d'un ensemble de fonctionnalités, puis je pense que vous en avez C'est rajouté en ça en fait, permanence. l'idée c'est d'essayer d'avoir un outil en fait qui nous permette, tu vois. Alors après, c'était pour répondre à une de nos questions qui était de dire comment peut-on perdre le moins de temps possible pour être tout autant efficace. Et donc bah, on s'est dit bah tiens, là on perd vachement de temps en fait sur cette partie-là, bon, il faudrait l'automatiser. Et puis donc tout ça pour dire qu'en fait aujourd'hui, nous on revit parce que bah, quand tu devais vraiment tout faire à la mano, moi n'étant pas développeur, et c'est toujours pareil en fait. Aujourd'hui, quand tu montes ta petite boîte, bah, il y a 12 ans, tu es tout seul au départ, tu fais un peu ton petit chiffre d'affaires, tu te développes machin, et donc t'as pas beaucoup d'argent à investir au départ. Donc tu peux pas te permettre en plus de te planter. Donc il faut déjà essayer de Moi, c'est dans ma façon de fonctionner, c'est plutôt de dire OK, je le fais à la main et j'essaye de répéter en fait plusieurs fois la même tâche et de voir quelles sont dans ces tâches-là, quelles sont les mini tâches entre guillemets qu'on doit faire de manière régulière et qui se répètent systématiquement. OK, ben ça demande en fait un développement spécifique. Et une fois qu'en fait on va vouloir en fait on va avoir, on va dire, le cœur qui va être prêt. Quand on va vouloir rajouter une deuxième brique supplémentaire, ben là, pareil, on va la faire à la mano. Et quand on va s'apercevoir, en fait, que cette deuxième petite briquette, entre guillemets, ça fait 5, 6, 7 fois qu'on l'a fait, bon, eh ben, on l'automatise. Et en fait, c'est un projet qui nous a pas coûté, en fait, 20 000 balles, en fait, en l'espace de 3 mois. C'est un projet qui nous a coûté, en fait, peut-être 15 000 euros ou 20 000 euros, en fait, sur la durée, sur toute la durée. Ouais. Et parce qu'en fait, tu vois ce que je veux dire? Et c'est plus comme ça, et c'est plus si je peux me permettre de donner un ou deux conseils au milieu. Bah c'est plus ça, c'est plus de dire ça sert à rien des fois de voir un peu trop loin, commence déjà à poser, à noter un peu tes tâches et puis de te dire OK, comment je peux faire pour gagner du temps? Ah, mais c'est ce qu'on disait avec Julien Jiménez aussi. Rien de tel que de se le taper à la main pour bien automatiser les choses.
ou en tout cas pour bien décrire la manière d'automatiser les choses pour un dev. Et moi, c'est ce que je fais à un dev quand je lui demande d'automatiser quelque chose. Évidemment, hein, si il est chez moi, parce que si tu le payes, ça va être un peu compliqué. Mais je lui fais passer une journée à le faire à la main. Ouais. Et après, je lui donne le cahier des charges et en général, il comprend vite. Ouais, non, c'est clair. Ah ben ouais, je Attends, et comprends bien. après, C'est pas faux, hein, Yeka. quand tu as des compétences au niveau dev, bon, mais tu vois, moi je ne suis pas du tout. Et puis c'est un genre de truc qui ça m'énerve plus qu'autre chose déjà, parce que moi je suis pas patient, et pourtant c'est paradoxal de dire ça, parce que dans le SEO, il faut l'être un minimum. Tu vois, de savoir que t'as un truc qui a pas marché parce que t'as oublié un point virgule, en fait, ça me rend fou, moi. Donc ça, je sais pas faire, en fait. Hein, Ah donc, ouais, c'est pas très résilient, les machines. ouais. Donc voilà. Et donc, pour revenir sur une des anecdotes, on peut, en fait, ce qui me stresse, Fred, c'est que je te vois plus. Bah ouais, mais je peux pas, on peut pas tout partager en fait, hein. Donc Tu tu veux veux plus partager partager ton mon écran ou écran? tu veux que Non, je je te veux plus partage le partager mien? mon écran. Bon, ok. Je veux te voir. Ben alors arrête de partager ton écran. Putain, merde-moi, c'est là. Alors, mettre le partage en pause. Ok? Là, c'est bon? Ouais, mais en fait, je peux te le piquer carrément. Ouais, bah j'imagine, ouais. Voilà, donc là, tu revois l'écran normalement. Là. Ça te Voilà, rassure? ça me rassure. Là, c'est surtout que je voyais pas les commentaires à droite, donc s'il y avait des bon, je sais que toi tu les vois, les questions, Fred, et s'il faut, tu peux les dire. Oui, donc en fait, en anecdote, en fait, on parlait de WordPress tout à l'heure avec WP Automatique, et j'ai une des anecdotes. Alors, j'en suis pas fier, mais l'idée, c'est aussi d'avoir un peu ce live en mode un peu, parfois un peu en mode où on peut Ah! rire un peu de tout. Je vous parlais tout à l'heure, quoi. Je parlais tout à l'heure, en fait, de racheter un domaine expiré sur Google Actu, de faire du remplissage rapide via WP Automatique sous WordPress. Et en fait, bon, comme un idiot et un débutant, j'ai voulu mettre dans mes mentions légales, générer des fausses mentions légales, parce que je savais pas bien ce que j'allais en faire de ce site. Et donc j'ai mis un nom et un prénom, je pourrais pas divulguer là, forcément, mais j'avais mis. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre un nom commun, un truc qu'on retrouve régulièrement, et je sais pas pourquoi j'ai pensé un prénom qu'on retrouve régulièrement et un nom de famille qui se rapprochait en fait d'un homme connu, mais de loin quand même. Et en fait, j'ai reçu comme ce qui s'est passé, c'est que la page, je l'ai pas bloquée comme un couillon, et en fait, vu que c'est un ex-politique, parce que c'est un ex-député, mais pas très connu, mais quand la page s'est indexée, donc à savoir 1 minute après, il a reçu une Google Alert, parce qu'il faut savoir que tous les politiques en fait font ça. Et si tu veux, le truc qui m'a mis un peu le doute, c'est que j'avais mis Google Analytics. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gens, et il y avait notamment une personne qui est restée très, très, très longtemps, en fait, sur ma page mention légale, je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et donc, j'avais, comme un con, certes, mis un faux nom et un faux prénom, mais j'avais mis en plus les coordonnées de l'hébergeur. Donc, il a contacté l'hébergeur. L'hébergeur est revenu vers moi. Et puis, la police est revenue vers moi en me disant que ce monsieur avait déposé plainte contre X parce que j'avais pour usurpation d'identité, et pour dire à quel point le gars en fait a été le gars était assez fou, c'est qu'en fait dans mes mentions légales j'avais mis donc un vieux prénom, un vieux nom, quoi, un vieux prénom, vieux nom, je veux pas qu'il m'attaque une fois de plus, un prénom et un nom, et j'avais mis une adresse en fait à Paris, dans le 14e arrondissement de Paris, une adresse à la con, je sais pas, j'étais n'importe quoi, avenue Victor Hugo ou un truc, et le gars en fait quand il a contacté l'hébergeur, il lui a dit, c'est l'usurpation d'identité, je suis le seul en France à m'appeler comme ça. En plus, je vous ferai dire que l'avenue Victor Hugo, elle n'est pas dans le 14e, mais elle est dans le 17e. Tu vois, le gars, il a fait écrit tout un truc, et il a terminé par, j'ai déposé plainte contre X, contre le propriétaire du site. Et donc, la police m'a appelé. Donc, tout ça pour dire que bah, parfois,
ou vaut mieux pas mettre de quoi, je sais pas quoi, tu vois, ou de faire les choses proprement, ou d'éviter. Et en fait, j'ai voulu faire un truc à l'arrache, quoi, vraiment me dire, je mets un prénom, un nom, le truc qui me passe par la tête. Et en fait, pas de chance, pas de chance, c'est un ex député. Vous aurez quand même remarqué que Mitch, quand il fait des trucs à l'arrache, il met quand même des mentions légales, quoi. Ouais, quoi, là, en l'occurrence, ouais. Ah, sinon, il y a les mentions légales images, ça marche pas mal aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Fabien Raquidel qui voulait que je raconte aussi une histoire, parce qu'on s'était vu au SEO Camp de Paris. Et là, c'est plutôt le côté plutôt positif, en fait, entre guillemets. J'ai commencé par l'anecdote un peu plus désagréable, et là je vais vous donner plutôt une anecdote, vous raconter une anecdote plutôt agréable. C'est qu'en Mais fait ça s'est... Attends, ça s'est terminé comment quand même? bah pour le moment c'est en cours. Ah merde! Ouais, Ah ouais, donc c'est une non, anecdote mais qui est bon, récente encore. ouais, bah ça s'est passé il y a 4 mois, quoi. Ah merde, ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, Donc, c'est... mais bon, après pour m'être entretenu avec la personne à la police, en fait, elle m'a dit, bon, il y a pas, je vais expliquer. En fait, si tu veux, dès le départ, naturellement, moi, dès que j'ai vu, en fait, qu'il y avait quelqu'un sur la page mention légale, je me suis dit, c'est bizarre. Donc, j'ai tapé le nom et le prénom, en fait. Tout de suite, quand j'ai vu, en fait, qu'il y avait une photo avec un ex-député, j'ai dit, oups. Donc, j'ai désindexé la page, en fait, je l'ai bloqué, quoi, je l'avais pas bloqué comme un couillon de la même manière. Donc voilà, donc donc c'est en cours, mais bon, a priori, elle me disait, il n'y a pas de préjudice, en fait. Il n'y a pas de préjudice moral, donc normalement, en fait, ça ne devrait pas aller plus loin, quoi. Et tout ça pour dire qu'il faut faire gaffe. Ah ben oui, non, mais ça c'est sûr. Et puis la deuxième anecdote, en fait, qui est assez, alors elle, plutôt rigolote, c'est, alors j'avais fait, bon, je ne sais pas, là, sous les yeux, Fred, j'avais fait une slide, en fait, pour les gens qui nous suivent, en disant, le jour où j'ai réussi à être calé, en fait, pour le site cnews.fr, donc Google Actu. Et alors là, les gens ne peuvent ne pas comprendre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cnews.fr, donc bon, on aime ou on n'aime pas la chaîne, cnews.fr, auparavant, c'était iTélé. Donc c'est Canal derrière. Et avant le cnews.fr que vous avez aujourd'hui sous les yeux, le propriétaire de cnews.fr, c'était Michel Chalet. C'était moi. Et en fait, j'avais déposé un jour, je sais pas pourquoi, en fait, j'avais un ou deux stagiaires avec moi, une ou deux stagiaires avec moi, et puis je m'étais dit, tiens, je vais faire un petit site d'actu. Depuis longtemps, en fait, je veux faire un site d'actu. Et je me suis dit, bon, déjà, faut trouver un nom qui claque. Et j'avais trouvé cnews.fr. Faut que Donc ça j'ai déposé, claque. bah ouais, je trouvais que cnews.fr, tu vois, ça faisait un joli nom, quoi, tu vois. Oh, faut que je le C'était mette un dans les peu. samples, le faut que ça claque. Ouais, faut que ça claque, ouais. Et du coup, donc La belle prise. j'étais propriétaire de CNews, et j'ai essayé de le mettre dans Google Actu. Et Ouais. j'ai été recalé, parce que j'avais fait ça à l'arrache, et j'ai été recalé, et puis j'ai pas eu le temps, et puis ça m'a un peu saoulé, en fait. Donc j'ai dit, bah tant pis. Et j'avais quand même, malgré tout, tu vois, je mets toujours l'intérêt de mettre un petit formulaire, en fait, sur son site. J'avais mis quand même, malgré tout, un formulaire. Mon nom de domaine arrivait à expiration de mémoire, je crois, autour du 25 septembre. Donc c'était il y a 4-5 ans, cette histoire. Et mon nom de domaine arrivait à échéance le 25 septembre. Et puis début septembre, je reçois un mail. Je reçois un mail qui me dit, bonjour, nous sommes intéressés pour un de nos clients pour le domaine. Quoi, nous sommes intéressés par le domaine cnews.fr. Et donc moi, je me dis, mais tu sais, bon, c'est un domaine, il vaut rien, machin. Et donc je lui réponds, déjà la première semaine, je ne vois pas, en fait, ce mail. Donc la deuxième semaine, elle me refait un deuxième mail pour me dire, je me permets de vous relancer, car mon client est intéressé pour acheter. Donc c'est une grosse boîte, en fait, qui rachète des noms de domaine, hein, une boîte plutôt à l'international. Et donc moi, tac au tac, en fait, j'ai dit, combien vous m'en proposez? Tu vois, le truc, je comprends pas, en fait. Et elle me répond, 300. Et puis je me suis dit, bon, 300, tu sais, ça, le domaine m'a payé 10 balles, on a mis un peu du contenu, mais puis je dis, bah attends, je réponds au tac au tac en lui disant, non, 450. Elle me répond 5 minutes après, elle me dit, mon client est prêt à vous l'offrir 500. Et je me dis, putain, c'est quand même bizarre, quoi, tu vois, en l'espace de 10 minutes, je suis tombé par hasard sur ce mail, nana, en fait,
Elle me propose 300, 5 minutes après ou 10 minutes après, elle me propose 200 balles de plus, et c'est très étonnant, quoi, tu vois. Et puis elle te Et propose puis, plus que donc, ce que toi tu lui demandes. bah ouais, c'est ça, en fait, le truc. Donc, tu vois, au départ, je me dis, putain, c'est bizarre, quoi. Donc là, je réponds, et t'es un peu le mec gourmand, tu sais, tu lui donnes ça, il veut essayer d'aller jusque-là. Et donc, je lui réponds, genre, un truc, bah, désolé, mais en fait, maintenant, je le vends 1000. Et puis, en fait, donc, il y a des échanges, elle me dit, bah, mon client n'est pas prêt à mettre 1000, mon client est prêt à mettre 700. Je dis, bon, bah, ok, machin. Et puis, tu vois, c'est un échange, ça dure 3 semaines, Et quoi. vous m'avez pas l'air d'un fin négociateur. Non. Et 3 semaines après, le truc qui est assez fou, c'est que 3 semaines après, en fait, elle me fait un mail et elle me dit, monsieur, suite à, voilà, on avait eu quelques échanges, elle me dit, je vous propose 3 000. Et entre-temps, je m'étais renseigné, en fait, parce que j'avais croisé un pote qui m'avait dit, mais t'as pas vu, en fait, Mitch, ITV, c'est devenu CNews. Ils ont déposé, en fait, la marque, mais ils l'ont déposé bien après, en fait, que j'avais déposé le domaine. Ils n'avaient même pas vu que le domaine n'était pas dispo. Et dire, t'as pas vu, en fait, ils ont commencé à communiquer, en fait, à faire des relations presse un peu partout. Et bah, maintenant, ils sont un peu comme ça, quoi, parce qu'ils ont dit, on va s'appeler CNews.fr, alors qu'ils n'ont pas le domaine, quoi. Et je dis, ah non, non. Donc, quand j'ai compris que c'était Canal, parce qu'en fait, j'ai vu, en fait, quand j'ai commencé à remonter, j'ai vu que CNews, c'était ITV, ITV, c'est le groupe Canal. Donc, je me suis dit, attends, là, en fait, on parle plus en petits sous, quoi. Et, je pense qu'on peut aller, on peut aller un petit peu plus loin. Et un jour, en fait, je lui ai répondu un peu en mode, je l'ai envoyé un peu bouler, en fait, je l'ai envoyé un petit peu bouler cette nana, en lui expliquant, en lui disant, écoutez, moi, je sais qui est derrière, maintenant, revenez avec une vraie offre, parce que ça m'intéresse plus. Et j'étais en train de monter le lit de ma gamine, en fait, Ah, un c'est pas vendredi faux. après-midi, en fait, j'avais décidé de prendre mon après-midi pour monter le nouveau lit de ma fille, et je reçois un appel, en fait, masqué, et en l'occurrence, c'était cette fameuse femme qui me dit, voilà, bon, écoutez, j'en ai parlé avec mon client, il disposait à vous l'acheter 3 500, 3 600. Et donc là, en mode un peu agressif, je lui dis, écoutez, je suis désolé, mais j'ai deux offres sur la table. J'en ai une à 9 000 euros et une à 14 000, ce qui n'était pas vrai. Hein. Et je lui dis, j'en ai une à 9, une à 14. Et la nana me dit, mais 14 000, ça fait quand même beaucoup, je vous crois pas. Et puis j'étais un peu pris de court parce que je lui disais, bah tu vois, c'est un petit billet de 5 000 6 000 balles comme ça fait toujours plaisir. Et cette nana, en fait, je lui dis, écoutez, vous avez raison, l'offre à 14 000, en fait, la boîte qui m'a fait cette offre-là, en fait, elle m'a pas l'air d'être très fiable. Par contre, la boîte qui m'a fait l'offre à 9 000, je la connais très bien, il n'y en avait pas. Je la connais très très bien, je sais que c'est une boîte ultra sérieuse. Donc, rappelez votre client, moins de 10 000, je lâche pas le domaine. Et ben, le lendemain, ils m'ont fait un mail, en fait, sur une plateforme qui s'appelle Escrow, c'est du séquestre. Ils m'ont mis 10 000 balles sur un compte et ils m'ont dit, vous avez 48 heures pour nous rapatrier tous les codes, tous les machins. Et 3 jours après, j'ai gagné 10 000 balles. En fait, j'ai pris 3 billets d'avion. Je suis parti 15 jours avec ma femme et ma fille à New York. Et c'est Canal qui m'a invité. Donc, j'aurais pu le vendre certainement quand j'en avais parlé. En fait, j'avais été aidé, en fait, sur ça. J'avais été aidé par Jean-François. J'ai peur d'écorcher son nom. Poussard. Poussard. Poussa, ouais. Poussard. Qui est à fond dans le. Dans le Qui est à fond dans le domaining et et qui la m'avait loi. dit, écoute, tu peux essayer de le vendre 5 000 balles. Il m'avait dit, parce que il y a golfcanal.fr qui est vendu, Canal communique que sur du .fr, donc essaye. Et en fait, je l'ai vendu 10, et quand j'en ai parlé avec Franck Zicaba, Franck, tu connais? Oui. Ouais. Franck qui est à Dubaï, Franck il m'a dit putain t'aurais pu le vendre 2 fois plus quoi. Mais en fait quand t'es dans cette position-là en fait t'es dans une position un peu bâtarde parce que tu te dis est-ce que j'ai pas un peu trop poussé le truc en mode Bah, à est-ce que partir j'ai de pas trop 300 poussé pour le arriver truc à 10 000, ça va déjà. et ça fait une belle voilà. Donc Surtout c'était en une mode très belle Jean-Claude voilà. Duss, quoi. Ouais c'est clair c'est clair c'est clair Ça, c'est quand même magnifique. donc voilà donc ça c'était la deuxième petite anecdote. Voilà, et Y a Yeka qui dit rien que pour avoir saigné Bolloré, respect pour Mitch. Ouais, j'ai vu, ouais. Bon, à Bolloré, ça lui a. C'est Bah, acheter quand tu vois ce un que. Bon, papier de bonbon pour lui. on va pas faire de la politique ici, mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'est devenu la chaîne, ça fait un peu. Ça fait quoi?
C'est bizarre. Ah bah, j'ai été démarché l'autre jour justement par une plateforme d'appel pour Canal+. Et je lui dis non, non, moi je suis pas intéressé. Non, mais bon, attendez, c'est pour Canal+ et tout. Je lui dis ouais, bah justement. Bah, il me dit bah quoi justement? Bah, je lui dis bah, enfin, moi je veux pas aller donner des sous à Bolloré. Et le mec il me dit oh bon, bah ok, je comprends, merci, au revoir. Il n'a pas cherché plus loin, Voilà ce que on pouvait commencer à. Bah, j'avais déjà pas mal de petits trucs à raconter. Puis après, on voulait Fred essayer de parler un peu plus, rentrer plus dans le monde du SEO pur et dur. Et notamment, on évoquait en fait ensemble la partie la stratégie éditoriale au sein d'une quoi, on va dire la structure éditoriale ou la stratégie éditoriale au sein d'une structure SEO. Et en Ouais, fait, ce que enfin je le rôle t'expliquais, de c'est que nous, l'édito au sein d'une stratégie SEO, ouais. au sein d'une stratégie SEO, et notamment dans une stratégie SEO e-commerce, quoi. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Ben, toi, t'as misé une grosse partie sur, enfin, de tes cartes, plus exactement, sur la rédac. T'as créé un gros pôle rédac, d'ailleurs, qui représente plus de 50% de tes effectifs, il De me semble. l'effectif. Ouais, c'est ça. Vous êtes combien? On est 6, on est 6 et on est 3, et j'ai 3 personnes sur le pôle rédac. Ouais. Alors j'ai deux, j'ai après bon, tu peux mettre les jolis mots qui font plaisir, mais en fait aujourd'hui j'ai plus de rédac en fait en mode junior et j'ai un rédac plus senior qui lui, si tu veux, le truc c'est qu'aujourd'hui la question en fait qu'on a pu me poser pas mal de fois, c'est pourquoi aujourd'hui tu as créé un pôle rédac alors qu'en fait tu peux très bien faire appel à des petits rédacs, et pourquoi en fait beaucoup de mes confrères dont tu fais partie, alors toi Fred c'est un peu différent parce que justement tu as cette partie en interne chez toi à la base, et beaucoup de gens m'ont dit mais pourquoi en fait aujourd'hui tu as des rédacteurs en interne. En fait, nous, le truc, c'est ce que je disais un petit peu en introduction quand je me présentais. Nous, on travaille essentiellement dans le e-commerce et on s'aperçoit en fait que on s'est aperçu en fait avec les années que de plus en plus de nos clients ont des besoins au niveau éditorial et n'ont pas les ressources, un, en interne pour les faire, et n'ont pas les compétences en fait, peuvent avoir les compétences métiers, mais n'ont pas les compétences, parfois même des compétences marketing et encore moins des compétences SEO. Et on s'est aperçu en fait que de plus en plus nos clients, tu vois, étaient là pour travailler moi sur une landing page, essayer de me l'optimiser pour qu'elle puisse mieux transformer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait sur la partie netlinking, c'est qu'en fait à partir du moment où tu as besoin en fait d'avoir des gens qui fassent de la production dans le SEO, c'est indispensable. Mais si tu veux vraiment les intéresser et si tu veux aussi essayer de capitaliser sur l'équipe que tu as en place, tu es obligé en fait systématiquement d'essayer de les faire monter d'un cran. Un rédacteur, en fait, aujourd'hui, si tu le gardes, en fait, pendant 5 ans et qu'il fait que de la rédac, au bout d'un moment, où il va aller voir ailleurs, où il va se mettre à son compte, ce qui est normal dans un sens, parce que, bah, tu vois, il n'y a pas là vraiment la sensation d'évoluer, si ce n'est de dire, hier, je faisais 3000 mots, aujourd'hui, j'en fais 3004. Ouais, puis c'est un métier Hein? difficile. Après, en plus, Et avec puis, certains tu clients, connais ils ont ça, hein? l'impression de tourner en rond. T'as certains clients qui reviennent avec des énormes masses de demandes. Et à un moment, les rédacs, tu les vois, ils fuient, quoi. Ils disent, ah non, non, pas lui, pas lui. J'en ai marre d'écrire sur cette thématique-là. Ouais, non, mais c'est clair. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils, et notamment dans le SEO, qui nous permettent quand même d'aller d'abord identifier en fait assez facilement les questions que peuvent se poser Les internautes, ouais. les internautes et éventuellement, tu vois, quelles sont les questions qui peuvent les faire devenir internautes, basiquement, afin de se transformer plus, même en prospect, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on a la possibilité de savoir qu'est-ce que tape un prospect, en fait, presque. J'exagère un peu la chose, mais Non, mais oui, on connaît, en fait. moi, c'est ce que j'appelle la distance entre l'expression de recherche et la carte bleue. Ouais, mais c'est pas faux. C'est exactement ça, en fait. Il y a des expressions de recherche, tu sais que le mec il a sa carte bleue à côté de lui. Et d'autres, ben il est encore en phase de renseignement, il est encore en phase de comparatif, il est dans Ah, tout c'est pas le haut de faux. la pyramide, en fait, qui fait que
tu vas faire un achat éclairé. C'est la pyramide qu'on met souvent en avant avec Laurent, hein, d'ailleurs, c'est cette démarche avant l'achat, quoi. Hein. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Mais en fait, tu veux, le truc, en fait, c'est que, on a la possibilité d'identifier toutes les questions. On est normalement, théoriquement, en étroite collaboration avec le client de répondre, en fait, à toutes les questions. Donc, pour qu'à la fois, en fait, il y ait un sens marketing et qu'en même temps, il y ait un sens. Alors, on en parlait l'autre jour sur la compatibilité entre le marketing et le SEO. Et ça pourrait être intéressant d'en parler, Fred. Et puis, produire le contenu, c'est une chose. Donc, déjà trouver les sujets, c'est une chose. Produire les contenus, c'est une chose. Mais après, l'intérêt, c'est aussi de mesurer. Et c'est là où je trouve qu'en fait, nous, on a voulu, on essaye de pousser un peu plus dans cette partie-là parce qu'en plus, ça s'y prête bien avec les clients avec lesquels on travaille. Et c'est réellement d'approfondir un petit peu plus cette analyse parce que simplement de dire, bon, ok, c'est quoi les questions que se posent les gens au niveau de cet univers-là? C'est ça. Ok, j'y réponds. Ok. Et après? Alors que l'intérêt, c'est quand même d'essayer d'aller analyser de manière plus approfondie. Est-ce que ta page, elle rank? Si oui, elle rank sur quoi? Est-ce que tu réponds? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles questions qui pourraient venir alimenter, en fait, les différentes questions et réponses que tu donnes sur ta page X ou Y? Est-ce que tu peux pas travailler, optimiser au maximum, en fait, la transformation pour que le visiteur qui vient s'informer puisse devenir éventuellement un prospect, voire un acheteur? Donc c'est un peu toutes ces questions en fait qui c'est un peu les besoins de nos clients qui nous ont permis aussi de nous remettre en question et notamment sur la partie pure e-commerce. C'est qu'aujourd'hui, et ça on pourra en parler, on pourra en débattre pendant des heures, mais généralement en fait ta page d'accueil, elle va ranker en fait sur des mots-clés très 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 concurrentiels ou uniquement en fait sur une Sur approche ta très marque, marque, ouais. ta marque. Derrière les catégories, elles, c'est plutôt les expressions clés en fait qui vont plutôt ranker sur, bah justement on va dire moi je vais appeler ça ou des expressions génériques ou des expressions un peu semi-génériques. La fiche produit en elle-même, généralement, elle est plutôt là. Je dis bien généralement, même si c'est au cas par cas, mais généralement, la fiche produit, elle est simplement là en fait pour ranker sur de la longue traîne quasiment, Sur de la presque. référence, sur de la référence produit, et Référence, longue encore, traîne ou tu vois. ah, c'est Et pas faux. encore. Parce que Et ça donc. arrive très souvent que quand tu tapes une référence produit dans Google, ils te sortent la catégorie. C'est ça. Et donc aujourd'hui, si tu veux, dans ta stratégie en fait à mettre en place, tu vas pas du tout adapter la même stratégie. Tu vas pas du tout mettre en place, pardon, la même stratégie pour une page d'accueil ou pour des pages catégories que pour des pages produits en fait. Ça c'était déjà on s'était un peu dit ok. La deuxième chose c'est qu'en fait nos clients, bah, quand le mec il a un catalogue en fait de 200 produits, il n'a pas le temps de les produire. Donc ou il va le faire mais il va mal le faire et derrière il va falloir qu'il se fasse au taf. Ou il n'a pas le temps de le faire et il va rentrer dans la simplicité, c'est-à-dire qu'il va aller, quand il vend des produits que machin et trucs nuches vendent, il va aller chercher les mêmes descriptifs et il va les mettre sur son site. Ah bah il va prendre les descriptifs de Et son catologue, hein, ça c'est voir habituel. voir les descriptifs quand il n'a pas vraiment un vrai catalogue, d'aller récupérer les descriptifs chez le concurrent, quoi. Et donc en fait, on s'est aperçu comme ça aussi que de la même manière, en fait, il fallait que nos clients soient accompagnés. Et aujourd'hui, on a des clients en fait dans des thématiques, je t'en parlais, il me semble, vendredi, dans le Leidanès, par exemple. Bah aujourd'hui, c'est nous qui avons écrit les coffrets cadeaux pour nos clients, quoi pour notre client. Donc on parle pas simplement, c'est pas un contenu à l'arrache en mode SEO, on va caler trois fois le keyword. On essaie vraiment d'avoir une approche qui te donne envie d'acheter en fait son produit. Et derrière, en fait, après, le but, c'est de mesurer la performance, en fait. Est-ce que la partie, donc, d'identifier la partie, en l'occurrence, les coffrets cadeaux, là, typiquement, bah, de se dire, OK, les coffrets cadeaux qui se font à base de les données, il y a combien de pages? Il y en a 25. Comment elles ont évolué dans le temps? Est-ce qu'elles ont évolué en matière de trafic? Est-ce qu'elles ont évolué en matière de chiffre d'affaires? Est-ce que j'ai un taux de conversion qui est plutôt adapté par rapport à ce que je peux avoir en parallèle? Quoi, tu vois, l'idée, c'est de pousser, en fait, un petit peu plus loin cette analyse. Et c'est là, un des gros avantages en SEO, c'est essentiellement ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a de la data qui nous permet, même si, et on en parlait Fred, il y a de ça 7-8 ans, quand on n'avait pas de notre provided, c'était régalade sur régalade, Ah notamment quand ben tu ouais. travaillais dans le, notamment quand tu travaillais dans le e-commerce, où là, tu connaissais exactement les keywords que tu avais générés du CA, en fait, via l'organique. Ça, c'était génialissime.
Bon, ben, Google veut un peu la mort du SEO, quoi, même s'ils s'en foutent un peu du SEO, mais en fait, bon, quand ils peuvent nous mettre un ou deux petits bâtons dans les roues, ils nous les mettent, ils ne gênent pas. C'est pas la Quoi mort du qu'aujourd'hui, on a. SEO, c'est comment augmenter et Bah, protéger au amplifier maximum. ads, hein, c'est une Ouais, bonne mais en guerre. même temps. Ouais. De toute façon, Alors qu'en fait. Alors qu'en fait. c'est leur outil, ils font ce qu'ils veulent. Alors je comprends, et bon, après, ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois. À la fois, en fait, c'est leurs outils pour ce qu'ils veulent. Et en même temps, si tu veux, aujourd'hui, je trouve que combiner en fait le SEO et le SEA dans le e-commerce, c'est pas problématique, bien au contraire. Ah Nous, oui. on a pu avoir, on a pu mesurer en fait, et vraiment, on travaille avec une belle boîte en fait dans le domaine de l'hôtellerie. Et on a pu mesurer en fait que bah, quand il y avait le SEO et le SEA cumulés, le taux de transfo était bien meilleur. C'est de la réassurance en fait. Le fait que ton prospect te voit et en pub et en SEO, en fait, pour lui, c'est un moyen de le rassurer. Donc, moi, je trouve que derrière, les deux sont pas incompatibles. Et qu'aujourd'hui, peut-être d'avoir une meilleure, quoi, d'avoir encore plus de visibilité en SEO nous permettrait, en fait, d'être, tu vois, de pouvoir, moi, demain, je te dis n'importe quoi, si j'étais capable, en fait, de réellement de savoir quels sont les mots-clés qui me font convertir, en fait, en SEO, qui me dit, en fait, que j'irais pas acheter les mêmes, en fait, en SEA. Ben oui, non, mais moi je fais des Si j'avais stratégies vraiment de la totalement data parallèles, hein. supplémentaire. Ouais. Donc voilà, donc moi, je trouve que, Ah, c'est pas faux. aujourd'hui, on a, il a fallu en fait qu'on s'adapte. On s'est plutôt bien adapté les SEO. Je me souviens à l'époque qu'on essayait en fait de. Je sais pas si tu te souviens Fred de cette histoire. À l'époque quand on avait plus notre ProvID, on allait récupérer les keywords de la Search Console et on essayait de faire un essay de. On essayait de se faire on essayait de se faire à peu près des tableaux qui nous permettaient de dire, bon, ok, on sait que ce mot-clé-là est tapé tant de fois, donc là, il nous a généré tant de visites, donc on a fait tant de chiffre d'affaires, et de faire au prorata, d'essayer d'appliquer. Sauf que ça n'a plus de sens, quoi, tu vois, ça Bah, tu fonctionnait parles au plus. passé, mais tu peux parler au présent, hein. Il y en a toujours qui font ça. Ouais, alors qu'en fait, tu vois, c'est pas, c'est une analyse totalement fausse. Ouais, la plupart du temps, mais pas forcément. Alors, Ouais, c'est du récupérer doigt les mouillé, quoi. keywords, ouais, récupérer les keywords en fait qui te génèrent de la visibilité, de savoir en fait les clics, les impressions. Ok, ça c'est des données qui sont très importantes et quoi. Nous, on les utilise. Aujourd'hui, on a travaillé en fait avec mon équipe, on a travaillé sur des. On parlait tout à l'heure d'industrialisation. On essaye systématiquement, comme je le disais, mais quelle que soit la brique, en fait, d'essayer de gagner un petit peu de temps par type de mission qu'on peut faire. Et typiquement, on a automatisé un data studio qui nous permet de plutôt optimiser SEO, on va dire, qui nous permet déjà de récupérer de manière automatique un paquet de données. Ça, c'est des données qu'on va regarder, la Search Console, typiquement. Ça, c'est des données, en fait, qui sont très importantes parce que ça peut te permettre, en fait, de t'ouvrir, en fait, aujourd'hui, notamment dans le e-commerce, tu vas avoir en fait un panel de mots-clés en fait qui va être assez vaste, et donc il faut quand même que tu puisses détecter des opportunités de business qui peuvent justement te permettre de continuer de croître en fait. Et donc la Search Console c'est super important. Maintenant c'est vrai que c'est toujours un petit peu comme tu dis d'eau mouillée, de dire bah tiens ce mot me représente quoi représente 30% de trafic, donc j'ai peut-être intérêt aujourd'hui à essayer de. Je peux dire que ce mot-clé, en fait, du coup, représente à peu près tant de mon CA, mais Ouais, parce c'est là que où en c'est un peu fait, dommage. le truc qu'ils utilisent tous, hein, c'est de faire la corrélation entre les pages et ce sur quoi elles sont censées se positionner et les mots-clés. Donc, en gros, c'est une page qui parle de ça, elle est censée se positionner sur cette liste de mots-clés. Cette liste de mots-clés, on l'a dans la Search Console, on a les volumes, donc on est capable d'extrapoler, gnagnagna. Sauf que ça, c'est dans le plus beau des mondes. C'est comme on le disait tout à l'heure, une référence produit, Google peut très bien t'amener sur une catégorie. Donc au final, tu vas dire, OK, ben, ce mot-clé qui correspond à cette référence produit, c'est du trafic qui arrive sur ma page de produit, alors qu'en fait, pas du tout. Donc C'est ça. voilà, c'est pour ça que je dis que c'est du doigt mouillé. Après, il y a certains mots où
T'es quasiment sûr que ça arrive là-dessus. Mais bon, de toute façon, hein, la meilleure data que tu peux obtenir, c'est Google Ads. Moi, c'est souvent une approche que je fais en parallèle avec le SEO. On met en place une campagne SEA. C'est le labo, en fait. Et puis, à partir Ah, des c'est pas faux. data qu'on va récupérer dans le SEA, eh ben on va dire, OK, là, on sait pourquoi on capitalise du fric dans la stratégie SEO pour C'est ça. ranker sur ce mot-clé-là, parce qu'on sait que ce mot-clé-là, il génère du traf. Et du traf qualifié qui génère de la conversion. Qui transforme. Voilà. Voilà, exactement. Exactement. Bon, ben ça, c'est une approche qui me paraît plutôt carrée, hein, et qui Ouais, marche. non, mais c'est ça. Et du coup, en fait, alors ça me permet de faire un peu de pub en avance. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de confrères qui, et je les remercie d'ailleurs, qui nous font bosser. Et on a pas mal de gens, en fait, qui parfois peuvent, je peux comprendre, c'est jamais évident, donc ils ont pas, en fait, en interne, un pôle rédac, mais un pôle rédac en mode, comme je te le disais, pas pour faire du PBN ou pour faire de la maths, vraiment, avec de l'analyse et de la stratégie un peu plus fine. Et aujourd'hui, on a donc décidé pour que ce soit plus simple pour nos confrères qui pouvaient pas forcément parfois dire à leurs clients, ben, le contenu, c'est top 10 qui va le faire. Ce que je peux comprendre, même si les gens me connaissent et que quand on m'emmène si on m'emmène un client pour le contenu, on me l'amène uniquement pour le contenu, notamment quand c'est un confrère. Et en fait, on a décidé de créer un nom, une marque, alors qu'on n'a pas déposé réellement, mais on a plus, donc le domaine, ça a rien d'y aller pour le moment, il n'est pas encore en ligne. On a appelé ça Kali Content, donc Kalicontent, qui aura justement, qui va être plutôt en fait un peu notre offre qu'on va essayer de pousser en fait sur la partie édito et je pense que dans les prochaines semaines on communiquera un petit peu plus, mais là on est un peu on est encore un peu on est encore un peu à fond dans le projet, mais voilà, l'idée c'est un peu ça, c'est identifier essayer d'industrialiser un petit peu ça, c'est identifier les questions que se posent les gens dans le monde du e-commerce, y répondre, mesurer l'efficacité en fait de nos mesurer l'efficacité de nos contenus et de voir et justement mesurer intervenir T'as vu la remarque de Yannick? ouais j'ai vu alors nous on n'a pas voulu l'écrire à la française en fait on a voulu l'écrire comme Cali en fait Mais faut penser à la protection de marque quand même. Mais oui, je pense ouais que. c'est vrai. Ouais, content en anglais, point d'interrogation, Sylvain, Ouais. ben. Alors, ouais. Quoi, je sais pas si c'est ouais, ah ouais, merci. Ouais, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas déposé encore. Bon, après peut-être que je vais me faire avoir, j'aurais peut-être dû d'abord les déposer avant de le dire, mais bon, écoute, c'est pas de toute façon, l'idée c'est plus d'avoir une petite l'idée c'est plus d'avoir c'était plus d'avoir un nom en fait et Ouais, on d'avoir verra une mais entité indépendante de l'aspect SEO, forcément, c'est ça. si... Alors, ça sera toujours rattaché à la structure, à l'agence, hein, mais tu vois, je trouve que c'est plus simple d'avoir vraiment un service en fait qui est à part en fait et ouais, Yannick, de toute façon, le connaissant. et bah, tu m'enverras la facture, Yannick. Et donc ouais, donc voilà, donc on va essayer de pousser un peu cette offre-là. Là, on l'a vendue pour un client par un confrère. Que je ne citerai pas là. Il y a un confrère qui en pense à nous, qui nous l'a amené, et on va travailler plutôt cette offre-là. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, c'est que le rédacteur se sent encore un peu plus utile que simplement de faire de la rédaction. Je ne veux pas du tout être critique envers les rédacteurs, envers les rédacteurs, bien au contraire, parce qu'en fait, moi, je leur tire mon chapeau, parce que c'est vraiment quelque chose que je ne ferai pas. Déjà, j'en suis incapable, et puis en même temps, voilà. Et l'idée, c'est justement de donner encore, de faire monter en fait en compétences et pas d'être simplement un rédacteur web, mais plus. Pour ça que tout à l'heure, je disais un peu les mots qui reviennent un petit peu. Je sais pas, je crois que c'est content strategist ou Copywriting. un truc comme ça.
Ouais, ou voilà, ou C'est bon. le terme à la mode pour vendre du contenu quali beaucoup plus cher. Alors Voilà. justement, on peut discuter hein, de cet aspect-là. D'ailleurs, il faut, j'ai dans les petits papiers d'inviter une ou plusieurs rédacs, parce que c'est un métier qui est important, hein, qui est indispensable au SEO, qui est indispensable au marketing. Et de plus en plus, hein, parce que quand tu vois des énormes boîtes comme Leroy Merlin qui investissent dans du content marketing à outrance, où l'idée c'est simplement qu'il faut que les gens fassent des travaux chez eux, même s'ils vont chercher au Welldom d'à côté, ils n'en ont rien à faire, parce que mécaniquement ça va augmenter leur propre volume de vente, clairement les rédacteurs sont indispensables à la toile, quoi. Maintenant, j'en vois beaucoup dans notre métier en particulier qui reviennent quand même de la commande Mada, quoi, hein. Parce que le contenu Mada, c'est bien beau, mais le problème, c'est que ben, souvent, tu tombes sur des perles, des gens qui bossent super bien, mais qui bossent tellement bien qu'ils ont trop de boulot. Et qu'ils finissent par monter leur propre boîte avec plusieurs collaborateurs et que la qualité, ben, elle dégringole. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est du contenu tout venant. Donc, enfin, tout venant, entre guillemets, c'est du contenu industrialisé, on va dire. Et que ben, souvent, tu vas avoir à repasser derrière. Et que le temps que tu vas passer à refaire, à corriger, à relire, etc. Ben, au final, ce temps-là, si tu le mets au bout du prix que tu as payé, ben, c'est pas plus cher qu'un bon rédacteur que tu vas forcément payer plus cher, mais qui finalement va te filer un taf que tu n'as pas besoin de relire, quoi. Tu as juste à copier-coller, tu le fous en ligne, tu sais que tu n'as rien à refaire. Donc. Mais bon, après, non, écoute, nous, on est plutôt, justement, tu vois, aujourd'hui, et je sais plus qui, je crois que c'est Lolo, en fait, Bourelli, qui disait ça un jour, qui disait au niveau des prix, en fait, que les rédacteurs étaient un peu sous-payés, et en fait, quoi, tu vois, à la page, par exemple, et aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que, avoir du contenu, tu peux avoir du contenu à bas prix et ça, encore une fois, ça va dépendre de ce que tu veux en faire. Aujourd'hui, quand tu as une image, en fait, quand tu as une marque à essayer de mettre en avant, tu te dois, en fait, d'avoir vraiment d'être très sensible et tu peux pas faire tout et n'importe quoi. En fait, ça va dépendre de ce que tu vas en faire, ton contenu. Aujourd'hui, en fait, tu veux le contenu, je trouve que ça a énormément changé, en fait, même dans la tête des SEO. Le SEO, en fait, il y a encore ça 2-3 ans, ils cherchaient impérativement, mais je dis bien impérativement, il n'y en avait pas un qui disait la différence, peut-être Lolo, qui disait, moi, combien tu me les vends, les 100 mots? Parce que moi, 2,50, 3 balles, les 100 mots, quoi, tu vois. Et c'était en gros l'idée, en fait, où le SEO cherchait systématiquement du prix. Aujourd'hui, j'estime, en fait, que t'as plein de plateformes quand tu veux chercher réellement vraiment du bas prix. T'as Mada, tu disais, t'as le service c'est White Page de mémoire. T'en as des trucs en fait où c'est pas critiqué. Ça va dépendre de ce que tu vas en faire. Et aujourd'hui, en fait, c'est Lolo qui disait ça l'autre jour, qui disait en fait normalement quand j'étais en visio avec lui et qui disait mais en fait une bonne page de transfo, normalement le mec il doit être capable de mettre 500, 600 balles sur une page facile. Ah oh oui, même plus. Tu vois? Et Même même plus. plus, Alors sur le c'est même contenu moi, texte, toi. oui, mais après, si tu parles de tout l'aspect média, mise en place, réflexion UX, Ah moi se mettre dans la tête je parlais de même plus de l'internaute. contenu, quoi, tu vois, déjà, quoi, tu vois. Ah ouais. Et en fait, aujourd'hui, nous, il y a des pages, en fait, qui peuvent se vendre 200, 250, et même au sein de ce que l'on vend, en fait, 250, 300 balles. Sauf qu'en fait, c'est pas une simple, quoi, je veux pas dire qu'on est les meilleurs, loin de là, hein, mais c'est pas une simple page. On n'a pas écrit une page de contenu en mode SEO, quoi. On a écrit, il y a une vraie réflexion, il y a une vraie analyse en amont. Il y a eu de la production en aval, et puis il y a, et après, il y a même, j'ai envie de te dire, de l'analyse régulière, en fait.
Et c'est ce travail-là, en fait, qui permet d'être beaucoup plus efficace. Ah, c'est Faire pas de la faux. masse, pour faire de la masse, on peut tous en faire. Faire de la bouillie, on en a, alors je sais pas, mais moi j'en ai déjà fait de la bouillie. Mais aujourd'hui, à partir du moment, déjà, un, quand tu travailles avec des clients et tu travailles pas pour tes propres sites, à toi, tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Ah ben non, non, Donc, on est faut être... d'accord. Je Donc pense qu'il y a voilà. cet aspect-là aussi, parce que quand tu dis les SEO, etc., je pense que y a aussi les gens avec qui enfin ton entourage en fait dans notre métier qui a évolué vers ça. Maintenant, tu regardes les petits jeunes qui arrivent sur le métier, ils font encore des trucs, mais pour eux, hein, évidemment, ils font encore des trucs à l'arrache, quoi. Et ça, Ouais. ben, nous, forcément, on travaille pour des clients. Donc, il y a un moment donné, on prend du contenu où on n'a pas besoin de repasser du temps derrière. Et parce qu'il faut absolument que ça convienne aux clients. Maintenant, si tu fais un truc cracra à l'arrache avec de la bouillie, ça marche aussi, hein. La bouillie optimisée Your Text Guru avec l'API, ça marche bien, Ouais, bien sûr, hein. bien sûr. Bien sûr, mais encore une fois, bon voilà, ça dépend quels sont les. En fait, l'idée c'est quand même que j'insiste sur ce terme parce qu'en fait moi encore une fois je reste très focus sur le e-commerce, mais l'idée c'est vraiment qu'en fait il faut qu'un prospect devienne un client en fait. Et c'est généralement en fait quand tu, notamment dans le monde du e-commerce, autant quand une boîte en fait qui va vouloir travailler avec toi, avec nous, la conversion va être différente parce qu'en fait le gars vient, cherche des infos sur ta société, de savoir qui tu es, ce que tu as fait, ta façon de travailler, et puis derrière il va prendre contact avec toi, derrière ça va te, il va falloir que tu lui fasses une proposition, et puis derrière il va comparer les budgets qu'il va recevoir, etc. etc. Là, ok, je comprends. Et quand on est dans le monde du e-commerce, en fait, une fois que tu as capté le visiteur, tu as cette fameuse, alors tout dépend encore une fois de la thématique, hein, mais tu as justement cette fameuse chance qui te permet de tout de suite qu'il devienne un client, tout de suite. Et aujourd'hui, en fait, quel que soit le métier que tu fais, c'est mon avis, et encore une fois, il n'engage que moi, il est beaucoup plus difficile d'aller trouver du nouveau client que d'entretenir les clients qu'on a déjà. Donc quand tu peux te permettre, en fait, de faciliter pour qu'un prospect devienne un client, fais-le. Et ça passe aujourd'hui dans le cadre du SEO, ça passe certes par de la visibilité, c'est une certitude, parce que t'as beau avoir la. Avant, tu vois, ce qu'on disait, c'est rigolo parce qu'avant, on disait, il y a encore ça quelques années, on disait, t'as beau avoir la plus belle boutique, si personne rentre Oh, dedans, en quelle fait, belle quoi, tu vois, boutique! bah ouais, voilà. Mais Non, si c'était personne une rentre pauvre blague dedans, de merde! j'ai pas compris, Attends, en fait. je vais envoyer mon sample, vieux con. C'était spécial pour nous. Merde, pardon. Ouais, ce que je disais en fait, c'est que avant on disait, on a beau avoir la plus belle boutique du monde, en fait, si personne rentre dedans, elle nous sert à rien. En fait, quoi, si personne la voit, elle nous sert à rien. Aujourd'hui, en fait, c'est même encore un petit peu plus poussé que ça. En fait, c'est que t'as beau avoir la plus belle boutique du monde, t'as beau avoir plein de monde dans ta boutique, s'il y en a pas un qui t'achète, en fait, ta boutique, elle sert pas à grand chose. Ouais. Et c'est pour ça que c'est super. C'est pour ça que dans le e-commerce, en fait, à mon sens, le contenu est primordial aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, parce que t'as beau avoir le plus beau contenu de la planète, à partir du moment où c'est le même produit que je vais trouver ailleurs, si t'es 20 balles plus cher, t'auras beau avoir une belle image, t'auras beau avoir le mec qui va regarder quand même le prix, il est pas con. Mais d'où l'intérêt aussi, justement. Mais là, on sort un peu plus du cadre pur SEO, mais quoique. On a quand même pas mal d'outils qui nous permettent de la même manière de scraper en fait et de récupérer du prix en fait qui te permettent de. Mais bon là on s'éloigne un petit peu du Ça sujet devient de quoi. plus en plus difficile. On va revenir à ce que Sylvain de Campoo disait. Il nous disait, les clients ont aussi gagné en maturité. C'est clair, ouais. Mais il n'y a pas que nous et la communauté de vieux qui va avec nous, hein, parce que c'est ce que je te disais. Le fait de faire ces lives-là, ça m'a permis de faire connaissance avec plein de jeunes qui se lancent. Et ça, c'est trop cool. Franchement, des gens avec qui j'aurais jamais fait connaissance si j'avais pas pris le temps de faire ces lives. Et donc, c'est pour ça que je parle
de cette histoire de nous et les anciens qui traînent autour de nous. Forcément, on a l'impression que l'univers SEO, c'est un peu que ça, mais finalement, il y a aussi plein d'autres choses qui évoluent enfin, autour de nous sans qu'on le sache. Et oui, il y a aussi cet aspect où les clients ont gagné en maturité, c'est clair et net, quoi. Et il nous dit aussi, Sylvain, et vous parlez pas de rédaction, si, et vous ne parlez que de rédaction, pardon. Si on pense vidéo, même schéma, c'est pas gratuit. Non, ça, c'est clair que c'est pas gratuit du tout, la Oui, c'est vidéo, sûr. hein. Après, encore une fois, ça dépend aussi de la stratégie que tu veux mettre en place. Aujourd'hui, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, c'est aussi la typologie de page, parce que de la vidéo, et c'est vraiment au cas par cas, parce que si tu vends un vélo électrique, la représentation en vélo, en fait, en vidéo, pardon, de ton vélo électrique peut avoir beaucoup plus d'impact que quand tu vas vendre, j'en sais rien, moi, un t-shirt. Donc la vidéo, en fait, c'est un média, en fait, qui peut permettre de convertir, mais encore une fois, tout est relatif, en fait, tout va dépendre du sujet dans lequel tu es. Par contre, avoir, en fait, une vidéo qui va plutôt mettre en avant ta marque à toi, qui vend des t-shirts, qui va expliquer que tes t-shirts, tu les fais avec des produits, avec des matières recyclables, machin, truc bidule, truc, et que tu commences à avoir une image, ça peut être intéressant. Parce que derrière, ça peut te permettre en fait de développer ta visibilité sur plein de termes pour justement essayer en fait de sensibiliser des gens qui peuvent être un petit peu dans ton ciblage. Mais la vidéo, en fait, aujourd'hui, faut être franc, mais dans le monde du e-commerce, elle est très très peu présente. Même si elle peut être importante dans certains sujets, quoi, dans certaines thématiques. Mais globalement, en fait, la vidéo est très peu présente dans le monde du e-commerce. De plus en plus quand même, hein. Si tu prends la thématique du bricolage, ben là, y a plus grand-chose à faire, hein. Les marques ont déjà fait un énorme boulot. Après, y a plein d'autres thématiques. Mais après, comme tu le dis, y a des produits pour lesquels la vidéo, on n'en a rien à faire. Mais c'est au cas par cas, de toute façon, hein. Tu vois, j'ai un client qui est dans la bijouterie et qui a fait des vidéos de tous ses produits, de tous ses bijoux. Et je lui dis, mais c'est génial, mais ça fait des années de ça. Je lui dis, mais c'est génial ce que vous avez fait. Je lui dis, faites une chaîne YouTube. Il me dit, oh ben non, j'ai pas envie. Je lui dis, bon, ben d'accord. Ben tant pis, quoi. C'est dommage, parce que là, je suis sûr qu'en plus, il y a eu un investissement sur les prises de vue et tout, avec les chambres de lumière, etc. Les prises de vue, c'est pas du truc amateur, quoi. Hein. Donc, tu vois vraiment la brillance. Des pierres et tout, où tu te dis, ouais, j'ai envie de l'acheter, quoi. Ah non, mais c'est clair. Donc non non, mais je pense que la et plus les années vont passer et plus le contenu sera encore plus important en fait dans le monde du e-commerce. Ouais, je Parce pense qu'encore une aussi, fois ouais. là on parle comme des vieux cons, mais tu vois on parle comme des vieux cons, mais il y a de ça 7-8 ans en fait le contenu dans le monde du e-commerce personne n'y portait quoi tu vois en foutait. Ouais, mais il n'y avait pas le même niveau de concurrence non plus, hein. Alors aussi, mais aujourd'hui, tu vois, tu es obligé de te démarquer un petit peu. Alors après, ce qui est toujours intéressant en fait de faire, c'est que nous, on est des passionnés de notre métier, on est des habitués du web, donc on va avoir des habitudes en fait que n'ont pas les gens, le français à la maison tranquille qui achète de temps en temps sur Internet va pas avoir du tout le même comportement que nous. Je l'ai déjà vu plein de fois. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est quand tu vas côtoyer en fait tes oncles et tes tantes qui ont 15 ans de plus ou 20 ans de plus, ou quand tu vas voir ton père, ou quand tu vas voir et de regarder comment ils font. Alors forcément, t'en as certains qui sont vraiment de l'autre côté et en mode, c'est la première fois que j'utilise Internet, donc c'est un peu compliqué. Mais globalement, tu t'aperçois en fait que c'est super intéressant en fait de voir faire en fait les gens autour de soi en fait utiliser le web. Ah Après, oui. c'est clair que les gamins aujourd'hui, moi j'ai une fille qui a 14 ans, aujourd'hui tu la vois utiliser Internet,
Bah, je pense qu'elle utilise mieux Internet que certaines personnes, on va dire, d'une cinquantaine d'années, quoi, tu vois. Ouais, mais tu sais, tu regardes même des gens de 30, 40 balais qui utilisent Internet, qui sont pas dans le métier. Ils n'ont pas du tout la même vision que nous, hein. Nous, on a une vision très particulière du web. On a ce prisme critique, en fait, où on sait que ben, ça c'est le site d'un confrère, ça, c'est aussi le site d'un confrère. La SERP, elle est remplie de sites de confrères, donc tu passes en page 2, quoi. Ah, c'est pas faux. C'est clair. Bah nous, ouais, on arrive à savoir à peu près, mais c'est vrai que Rien que le ah, nom c'est de le truc domaine, qui... déjà, tu sais. Ah bah ouais, quand Tu tu fais ah recherches non, sur non, clique pas .com. là-dessus. Ah bon, pourquoi? Bah pourtant, il a l'air bien ce site. Ouais, mais tu vas voir, il va y avoir des annonces Amazon. Ah bah, ça loupe pas. Caméra-infrarouge.net. Ah Ouais, ouais, non, c'est non, ça. bah Amazon, ouais, bah de toute façon, et même pour nous, parfois, c'est un peu difficile parce que je trouve qu'il est devenu, et sans dénigrer le travail en fait que peuvent faire les gens qui montent du Amazon, mais parfois en fait, la rédac qui est mise à l'intérieur, ça reste encore une fois de la rédac pure SEO. Et même pour nous, je trouve que parfois, en tant qu'éventuellement futur client, pour s'informer en fait, et alors qu'on est des habitués en fait du web, c'est super compliqué. Ouais. Il y Parce a des fois, que il y a des fois on tu te mets à tombe la sur place. Vas-y, excuse-moi, Fred. il y a des fois on tombe sur des pages comme ça qui vont où le rédac a fait un bon taf d'agrégation de l'information où tu vas finalement gagner du temps et puis il y a des fois où tu as l'impression de lire de la bouillie bien écrite quoi. Ah ouais, C'est l'enfer. c'est clair. Mais bon, ça fait partie du web, quoi. Mais non, je pense que ça va être de plus en plus important, en fait, dans les et il faudra justement être capable, plus on va avancer dans le temps, plus la concurrence va se durcir en fait sur pas mal de quoi. Aujourd'hui, on a des secteurs qui sont énormément quoi devenus ultra concurrentiels en ces 3-4 dernières années. Et t'as des à l'époque en fait t'avais je sais pas il y a 6-7 ans alors, on va dire, il y a 10 ans, le rachat de crédit était encore jouable. Il y a 6-7 ans, ça commençait à devenir compliqué. Aujourd'hui, ça l'est quasiment. Quoi, après, tu auras forcément quelqu'un qui arrivera peut-être, mais c'est des secteurs, en fait, tu as juste à regarder la SERP, quoi. Quand tu regardes le top 10, en fait, de la SERP, il y a des sujets, quoi, il y a des thèmes, en fait, où les places sont prises et elles seront plus à prendre, quoi. Donc, Argent, santé, déjà, de toute façon, hein, ouais, il y a plein de thèmes, ouais. Il y a c'est... plein de thèmes et il y a des thèmes qui, comme ça, à l'époque, encore en 2010, 2012, voire même un peu après, même après un peu Pingouin, t'en avais quelques-uns qui arrivaient un peu à sortir encore un peu du lot. Mais là, si tu prends sur les 2, 3 dernières années, Non, mais clairement, il y a des SERP qui sont surveillés à la main, hein, c'est sûr et certain. donc voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué de rentrer sur certaines thèmes, quoi. Et d'où l'intérêt, en fait, par contre, d'essayer de capter, en fait, du lead à travers, en fait, des expressions un peu connexes qui peuvent... Parce qu'en fait, aujourd'hui, alors bon, le métier du SEO s'est professionnalisé ces dernières années. Et donc, aujourd'hui, auparavant, tout le monde se battait pour le top keyword, on va dire. Aujourd'hui, les gens ont compris, en fait, qu'il n'y avait pas que le top keyword qui t'amenait du business. Il y avait aussi toutes les déclinaisons qui gravitaient autour. Mais je pense que là, il y a encore, sur certaines thèmes, tu vois, par exemple, typiquement, là, il y a encore de la place. Parce que les gens se focalisent, sont focus top keyword, on va dire, le top 10 des keywords les plus forts dans le domaine du crédit, et puis les mecs qui sont à fond comme ça. Mais en fait, tu as plein de... Et d'où l'intérêt de la Search Console, qui te permet d'avoir quand même un minimum de visibilité. Et parfois, tu vois, tu as quelques surprises, quoi. Tu as quelques surprises, parce qu'en fait, tu te dis, putain, j'aurais pas tapé ça, quoi. Et en fait, tu t'aperçois qu'ils sont plusieurs à être dans ce cas-là. Et quand on parlait tout à l'heure au niveau de nos proches, de leur façon d'utiliser Internet, je parlais aussi en termes de termes de recherche. Et ça, c'est super intéressant. Super intéressant. Ah ouais, c'est presque s'ils disent merci à Google, ou s'il te Ah ouais, plaît. c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Ils C'est communiquent clair. avec la machine, hein, c'est assez rigolo. Ouais. Mais bon, nous, Donc, on a une culture mots-clés, quoi. Et à contrario, il y a des gens qui vont taper des trucs chelous, hein. Il y a des expressions de recherche quand tu fais des recherches de mots-clés.
où tu te dis waouh, c'est pourquoi vous tapez ça? Pourquoi vous êtes autant à taper ça, quoi? C'est incroyable. Pareil, dans les recherches de mots-clés, je trouve très souvent des expressions non finies. Où les gens, en fait, ils se laissent suggérer et puis hop, ils chopent le résultat en dessous. C'est assez rigolo, ça. Ouais, ça j'ai vu ça aussi, ça c'est incroyable en fait. Mais voilà, moi je reste persuadé, et pour en avoir pas mal parlé avec toi, Fred, hein, je pense qu'on a à peu près la même philosophie au niveau contenu, au niveau strat, et aujourd'hui, je reste persuadé que plus les mois vont passer, plus les rédacteurs, entre guillemets, vont prendre de l'importance, en fait, ça va devenir de plus en plus. Nous, typiquement, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est 6, et donc on a 50% de notre effectif sur le pôle édito. Sauf que le pôle édito, c'est le dernier qui a vu le jour. Tu vois? Et aujourd'hui, on a 3 personnes, et peut-être que si ça bouge comme c'est en train de bouger, on en aura peut-être une, voire deux de plus. Ça prouve qu'il y a de la demande. Et encore une fois, pas de la demande, comme je te le disais, dans le sens où la petite demande, en fait, où derrière, je cherche 140 000 mots, 2 balles les 140 000 mots. Les gens, je pense que les gens commencent à comprendre que pour ça, il y a des plateformes. Il y a des plateformes. Aujourd'hui, c'est quoi, tu vois, après, c'est un choix personnel, hein, et c'est un avis personnel. Aujourd'hui, de faire du contenu pour aller mettre sur du PBN un petit rédacteur en interne, ça rime à rien. Ouais, Ça rime sinon à rien. après, tout dépend le profil de client quand même. T'as le client qui se lance dans le web ou qui se lance dans le SEO, qui découvre le SEO. Celui-là, quand tu lui dis qu'il faut rédiger 150 articles, enfin 150 pages, il te regarde avec des gros yeux quand même, hein. Alors moi je parlais pas de ça, je parlais plus Fred de la partie PBN. Quand tu vas monter tes liens, de mettre du contenu au milieu, Ah oui. de faire faire ça à un rédacteur en interne, ça a aucun sens. Faut appeler un chat, ça a aucun sens. Ah oui. Ça a aucun sens. Alors ça va dépendre de la typologie. Encore une fois, moi tout à l'heure dans ce que je vous ai montré, pour trouver du petit site thématique, autant te dire que quand je vais mettre un contenu là-dessus, heureusement je mets pas un de mes rédacteurs en interne, parce que déjà il va devenir fou. Il sait que ça a pas un objectif réel en fait d'amener quoi, de générer de la visibilité. C'est simplement de choper du lien en fait. Donc le gars s'en fout. Et pour ça, tu as des plateformes qui fonctionnent très bien. À l'inverse, tu vois, nous on reste. Si on devait segmenter un peu le truc, c'est plus de se dire, nous on veut vraiment pousser la partie optimisation, quoi, le contenu on-site. Ouais. Et c'est là où je pense que faut réussir à faire la différence, parce que tu mettes 100 balles de contenu pour aller acheter, je sais rien moi, 5 pages ou 10 pages à Madagascar, et que ça t'utilise juste à faire un peu ta stratégie un peu de lien, et puis de choper un peu du lien contextualisé, et qu'à l'inverse, que tu mettes, comme on le disait tout à l'heure, de dire, bah, je vais, j'ai un site e-commerce avec pas mal de catégories, mais j'ai pas les ronds pour pouvoir bosser en fait sur toutes les catégories. Bah, c'est de dire, ok, je me focus sur la catégorie X ou Y, et par contre, je mets un peu d'argent sur la table pour avoir un vrai contenu, quoi, un vrai contenu, pas que la page, mais tu vois. Ouais, Et aujourd'hui, en fait, c'est souvent ça que je fais avec les clients hein, c'est ça, qui pareil. sont réticents. En fait, je leur dis, bah, écoutez, c'est pas compliqué. Là, vous avez un plan d'action sur X années. On va qui est par ordre de priorité. La priorité principale en termes de business, c'est cette partie-là. On va bosser dessus. On dit qu'on fait 5 pages. Et puis, vous reviendrez me voir très rapidement, de toute façon, en me disant, ouais, non, mais ok, ça marche bien. Vas-y, continue. Et ça arrive très souvent. Abdel, tu peux préciser, je comprends pas tout à ton message, hein, je suis désolé, je comprends pas tout. On a Bruno qui nous demande, que pensez-vous de l'IA pour la rédac pour PBN? Bah pour PBN, moi je pense que c'est peut-être même l'avenir, quoi, tu vois. Pour PBN, encore une fois. Ouais, alors il y a, enfin, tout dépend ce qu'on appelle l'IA, quoi. On en discutait avec Sylvain l'autre jour de GPT-3.
Ce qu'on voit, ce qu'on nous laisse voir des résultats GPT-3, c'est les sorties les plus magnifiques du truc. Ouais, c'est plutôt bluffant. 90% des sorties sont dégueulasses. Autosplug faisait la même chose, quoi. Donc, l'IA pour la rédac, pour PBN, autant que de la bouillie, quoi. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est Et du coup, donc kiff-kiff. Abdel disait quoi? Je pense Ben, que c'est je juste pense bluffant. que je sais pas, je comprends pas. Il va nous repréciser. D'accord. Mais après, ça peut, quoi, voilà, aujourd'hui, de toute manière, à mon, après, encore une fois, ça dépend de ce que je te disais tout à l'heure. Quand quelqu'un va mettre 2000 euros, en fait, dans un domaine expiré, dans l'achat d'un domaine expiré, lui, aujourd'hui, il a une stratégie, en fait, qui va permettre, qui va être de capitaliser, en fait, sur son nom de domaine, de développer, en fait, sa visibilité et de le monétiser à travers de la pub, à travers de la vente de liens, à travers X ou Y. Là, forcément, il faut y mettre de la qualité. Mais encore une fois, quand tu vas monter des dizaines, des vingt, quoi, des dizaines et des dizaines de sites, mini-sites, investir beaucoup d'argent dans la partie contenu, je pense que c'est pas là où tu dois le plus investir, quoi. Ouais, là, tu parles du mode industriel, quoi. Hein. C'est ça. C'est Mais ça. ouais, évidemment, évidemment. Si tu commençais à demander à des rédacteurs de rédiger 800 textes en tournant en rond, non, tu les tues, quoi. Tu les tues. Ouais, c'est clair. Clairement. Disciple de Batman, à quand un live avec Abdel? C'est une très bonne question. Je vois qu'il n'est pas dans ma liste, Abdel. Je le rajoute de suite. Abdel, ça te tente de passer? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient d'autres questions? Fred, j'ai pas vu. Non, je pas. Non, il y avait des blagues. Il y a Ça, Nico des Le Gall blagues. qui dit, il faut dire s'il te plaît et merci sur la recherche vocale, car un jour ces machines prendront le pouvoir et elles se souviendront. Donc voilà, quoi, je pense que on a vu un certain nombre de sujets. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on peut aborder ensemble, Fred. Bah, Moi, j'ai écoute, il me semble quand même que tu avais lancé un truc en background tout à l'heure et qu'on n'a absolument rien vu de tout ce que c'était parti pour faire. Sur ton tool. Ah, Tu veux qu'on jette un œil? ouais, mais il a rien trouvé Il n'a sur les rien trouvé. 154. Ouais, sur les Ah putain, 154, il a j'avais rien prévu trouvé, mais un oh la après. belle prise quoi. Non, ouais. Il a rien trouvé, mais après, faudrait que je le lance un peu plus. Là, tu peux. Vas-y, on va s'amuser. Tu sais, j'ai fait un site pour mon pote qui est opticien à Lausanne. Est-ce que tu peux chercher des expirés autour de cette théma, tiens? Tu m'as demandé quoi, Fred? Opticien Comme Lausanne. Et puis, à mon avis, tu vas pas trouver grand-chose, mais on s'arrêtera là-dessus. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de notre manière de voir les choses. Alors. Ah, mais Abdel, il est parti en fait. C'est pas grave, je lui enverrai un MP. Quel projet est parti, du coup. Projet en cours. Mais voilà, non, écoute, c'est intéressant de partager justement des infos assez. Quand on s'entend, on est plutôt d'accord, en fait, tous les deux. Et je trouve que, encore une fois, de plus en plus de SEO commence à être sensible avec cette partie-là. Tu sais, le SEO à l'époque, quand on a l'impression d'avoir 55 ans, ce qui faisait ce qui rendait le plus sexy, en fait, c'était vraiment le backlink à l'époque, quoi. Tu vois, c'était vraiment le truc, ouais, quand on utilisait un peu tous nos outils, on utilisait Scrapbox, on utilisait ce genre de trucs quand on voulait être un peu bourrin, tu vois, c'était vraiment d'essayer de trouver le petit truc. Aujourd'hui, le truc qui a un peu dans de l'automatisation, le truc qui a plutôt le vent en poupe, c'est
Ah, il y a Steph qui est d'ailleurs une machine là-dessus, là, sur ce genou, genou poster. Ouais. Après, ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment mis les mains dedans, donc je sais pas trop, mais je sais que Steph. Moi, j'ai passé 2 heures, 3 heures, j'ai fini à coder du C-Sharp dans un éditeur qui n'est pas fait pour, donc ça m'a saoulé. Non, enfin, moi, je suis dev, donc je vois pas du tout, j'ai aucun intérêt à ce truc-là, à part pour économiser peut-être sur quelques petites tâches répétitives, mais ouais, non, je préfère vraiment automatiser, Mais ça, Steph, il c'est... n'est pas dev, lui, à la base? Non? Je ne crois pas. D'accord. Je crois qu'il Ouais, touche un j'aurais peu dit. en C-Sharp vite fait, mais non, il me semble pas qu'il soit dev. Sinon, il s'emmerderait pas à faire des trucs de ouf en Zeno comme ça. Je Ouais. pense pas. Non, mais non, parce qu'il y a des fois, tu es obligé de passer par des tours de passe-passe où tu dis, putain, si je le faisais en code, j'en aurais pour 3 minutes et là, je vais en avoir pour 3 heures, quoi. Et inversement, hein, évidemment. J'ai lancé un petit crawl parce que sinon on l'aura jamais en fait on l'aura jamais sinon à moins de rester en live et de faire les 24 heures d'heure phénix. Mais là je viens de le lancer le crawl, j'ai 50%, j'ai mis une quinzaine de mots-clés je crois ou 20 mots-clés je crois. Bah, tu me diras, je vais lancer un peu l'objectif opticien Lausanne, première page, bon, peut-être pas première position non plus, mais première page au moins. Il est déjà en troisième, rien qu'avec l'opti de title et puis le site qui est un peu mieux fait que son truc tout pourri qu'il avait avant. Sans backlink? Ouais, sans backlink, ouais. Ouais, bon, troisième page, hein. Ah, troisième page, pardon, Ah j'ai ouais. compris troisième. Ah non, Non, j'avais compris troisième troisième, en page. fait. Ah non, il est en troisième D'accord. page. Ok. Ah ouais, ok. Je ne savais pas. Sous les morts qui sont enterrés en deuxième. Ouais, non, parce qu'en plus, l'optique en Suisse, ben, y a je pense que Patrick Charer, lui, il connaît, en tout cas, il connaît bien la Suisse, donc il connaît peut-être, mais je sais que c'est pas facile quoi. Quoi déjà l'optique tout court c'est pas facile en fait Ah! d'un point de vue SEO mais Ouais, non, ah enfin, tu vois pour en revenir vite fait quand même à l'aspect netlinking, machine de guerre, machin, moi ça m'a jamais branché en fait. Hein. J'ai toujours trouvé ça répétitif, chiant. Quand il faut le faire, je le fais, mais ça me saoule vite. Par contre, j'ai toujours vraiment accordé beaucoup d'intérêt à l'aspect optimisation de conversion. Pour moi, ouais. déjà, un site web se doit d'avoir de la visibilité, et donc c'est pour ça que je suis SEO, et que j'ai toujours été sensible au SEO avant même qu'on s'y intéresse en France. Et après, derrière, à partir du moment où tu génères du trafic, il faut qu'il serve à quelque chose. Moi, envoyer du trafic sur un site tout pourri, ça me fait toujours chier, quoi. Ouais. Ça me fait trop mal au cœur, donc je suis toujours en train d'envoyer des mails aux clients en leur disant ta landing page, tu me rajoutes ça, tu me rajoutes ça, tu me changes ce call to action qui ressemble à rien. J'essaye toujours de profiter en fait de ma première visite de l'œil neuf pour noter ces choses-là, quoi. Ouais, j'ai pas grand-chose pour le moment au domaine, hein. Je pense qu'il aurait fallu que je lance plus de keywords. Eh ben, c'est pas grave, mon loulou. Tu me diras Ouais, quand on aura. je le relancerai en off et je te dirai. Bon, bah, écoute, on a passé quoi, 2 heures? Ouais, on fait pas une compète, hein. C'est ouais, Ah non, 2h07, mais tu c'est vois. bien. Ouais, Je pense qu'on a fait à peu près le tour. je pense aussi. Je pense Ouais, c'est aussi. cool Le en tout cas. public s'est bien amusé avec mes samples, c'est rigolo. Ouais, a priori, ouais. A Non, en fait, priori, mais... t'as une tempo, Xavier, donc tu peux pas en envoyer autant que tu veux, parce que sinon, c'est l'anarchie. Et c'est Xavier... Nodo? Ah, c'est lui? Ça Ouais, bah, aurait je été parlais de la nickel, là. suite, Ouais, bah, je vais pour peut-être qui... changer la tempo, mais après, j'ai un peu peur que ce soit l'anarchie, quand même. Après, je vais pas arrêter de rigoler. Si en plus, j'en rajoute avec des proutes et des trucs comme ça, là, je vais rire, moi. Est-ce que tu voulais qu'on aborde un autre sujet, Mitch?
Non, moi, écoute, je pense qu'on a vu déjà pas mal de, je pense qu'on a vu déjà pas mal de trucs. Merci à vous, les vieux cons. Ouais, je pense aussi. Non, je pense qu'on a vu pas mal de trucs. Alors après, on a abordé un peu tout, sans vraiment approfondir un peu la. Avec des cas concrets, mais ça, c'est vrai qu'il aurait fallu, il faudra un peu plus, peut-être que tu creuses un petit peu plus et peut-être avoir refaire une deuxième session avec une personne qui pourra peut-être un peu plus approfondir là-dessus, sur la Ouais, perte. mais tu sais, de toute façon, si on commence à approfondir, déjà, je pense qu'à minuit, on y est encore. On sera allé chercher quelques bières quand même en attendant, hein. Et le truc, c'est que j'ai un live par semaine à tenir, donc il faut quand même pas tout dire. Ouais, sinon. Non, non, je pense que voilà, l'idée, encore une fois, Fred, et sans faire de. L'idée était d'essayer de donner un petit peu du concret à, et notamment avec le backlink, avec les deux, trois petits voilà, deux, trois petites fonctionnalités à ton public, parce que, encore une fois, je trouve que bah, c'est un public qui est plutôt assidu, qui est là chaque semaine. Et puis en même temps aussi pour toi, parce que je trouve que. Bah, tu donnes beaucoup et que c'est une chance, quoi. C'est une chance d'avoir des vidéos gratos comme ça, où derrière, t'as un mec qui fait du SEO depuis 10 ans, qui va te raconter, ou je sais pas combien d'années, et qui va te raconter, qui se met un peu tout nu, quoi, tu Ah, vois, c'est pas faux. Ah pour non, montrer un peu encore un qui se met tout ses... nu. Mais non, non, il y a déjà Ah, Nico, mince. il est la semaine dernière qui s'est mis tout nu, bordel. Ah, mais on a Donc c'est Julien vraiment qui une est là, chance, quoi. quoi. Julien qui propose de faire des lives à l'heure de l'apéro. Ah ouais, ça, c'est une bonne idée, ça. Ah, on pourrait se faire un live SEO pompette, ouais. Ah, sur Twitch, ils aiment pas trop, je crois, hein, on m'a dit. Ouais, je crois. Et puis alors, a priori, rien à voir avec le live d'aujourd'hui, mais à partir du 22 janvier, je crois que Twitch durcit un peu le ton avec notamment dans le gaming, parce que moi je suis un petit peu justement des gamers, et a priori les comportements haineux, donc quand tu vas dire une insulte à un mec qui vient te tuer à Call of Duty par exemple, Twitch a montré les crocs a priori. Ouais, mais c'est il y en a ça part totalement live hein, quand même hein, et c'est vrai que il y a certains Twitch ça manque clairement de respect aussi bien du côté de celui qui est en live que du chat quoi. Et... Ah bah le chat, ouais, par contre c'est un Ah scandale. là là, Le chat c'est un laisse scandale. tomber. Laisse Le chat tomber. c'est un Après, il y scandale. a toutes les parties toute la partie casino en ligne qui est en train de prendre aussi une ampleur de dingue. Je pense que ça va pas durer bien longtemps, hein, parce que là, il y a plein Ouais. de petits jeunes qui se broquent, qui broquent leurs parents en casino en ligne. Ouais. Donc voilà. Et ben en tout cas, merci des techniques de Sioux que tu viens de nous donner, hein. Pas de rien, c'est À avec bon plaisir. entendeur, salut. Si vous n'avez pas trouvé qu'il y avait de la valeur ajoutée dans ce que Mitch a dit, ben, je vous invite à regarder les replays parce que c'est que vous avez loupé des trucs. T'as lâché du lourd. À vous d'en faire bon usage. Hein. Voilà, il a lâché deux gros plans même, en particulier un. Et donc, on a notre troll de service. Est-ce que ça vaut plus le coup que la semaine dernière? C'est pas pareil. Je mets pas d'échelle de jugement entre ce vieux troll, quoi. Il est incroyable. Il a super. Ah, mon Xavier, on t'aime, mon Xavier. Heureusement que t'es dans le chat quand même, hein. Non, mais il est vraiment sympa en plus, ça va être, il est vraiment super. Il est très Ah, brillant c'est pas faux. déjà et très brillant et en même temps vraiment très sympa. Moi j'ai appris à le connaître un tout petit peu via quelques apéros SEO, notamment par rapport au premier confinement, mais vraiment plutôt sympa. Ah! Ah non, il faut dire qu'il est vraiment, oui, il faut lui laisser sa réputation troller international. Ouais, non, mais ouais. Bon, on va s'arrêter là, mon petit Mitch. Écoute, je vais te passer dans le coin gauche de l'écran et je vais partager Ok. le mien. Et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas, hein, Mitch est toujours avec nous.
Attends, qu'est-ce que j'ai foutu de YouTube là? Je l'ai foutu là. Ouais, je vais le remettre là. Alors, donc évidemment, si vous avez aimé, ben mettez un pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Et dépêchez-vous plus vite que ça. Hein. Un pouce en l'air, hein, pas le pouce en bas. Hier, la semaine dernière, il y en a un qui a mis un pouce en bas. Le Ah, j'en ai méchant, fait le méchant quelques-uns. vilain. C'est peut-être parce que Nico s'est mis à poil. Hein. Ah. Je propose du coaching SEO à l'heure, si vous avez besoin d'aide, besoin de sortir un petit peu la tête de l'eau sur des projets, etc. On a Abdel qui a une question pour Mitch. Tu as des clients infopreneurs, point d'interrogation. Comment vous abordez le SEO avec ce genre de clients? Ben, on l'aborde un peu. Alors, attends, elle est où sa question? Parce que j'ai pas bien vu, en fait. Tu vois toujours mon écran? Je vois ton écran. Est-ce que vous faites de la presta pour les infopreneurs? Non, non. Et donc c'est non, vous ne le faites pas encore, ou c'est non, vous ne le ferez jamais? Non, je pense qu'on, enfin, pour le moment, en fait, la question s'est jamais réellement posée, en fait. La question s'est jamais réellement posée, donc forcément, aujourd'hui, nous, c'est plus, tu vois, on reste dans le monde du e-commerce, et puis c'est des clients qui, tu vois, qui ont des boutiques physiques, qui parfois peuvent avoir plusieurs magasins en France et parfois même des belles marques. C'est quoi sa question, sa première question? La question de qui? Je sais pas, De j'ai vu que disciple de reprend la Batman? question. Si possible, ma question au début de live. Ouais, mais ça, c'est disciple de Batman. J'étais dessus, là. En fait, au début, il nous parlait des possibilités d'optimisation réduites avec Shopify. Enfin, en tout cas, je pense que plus il Je avance en confirme. termes de technique SEO, plus il se rend compte qu'il est coincé dans un truc qui s'appelle Shopify et que ben voilà, ça fait le job pour faire démarrer des projets, voire même des beaux projets. Mais une fois que tu arrives à un certain niveau, ben tu te sens coincé. Et donc, il nous dit juste derrière, je m'oriente de plus en plus sur un WooCommerce, mais question de sécurité, j'entends beaucoup de retours négatifs. Pourquoi à ce point? Est-ce cela la faute, est-ce la faute du CMS ou des utilisateurs? Alors, pour te répondre, WooCommerce, c'est une technologie, c'est un plugin qui est ajouté à WordPress. WordPress est en effet la cible la plus visée par les hackers, étant donné que c'est D'accord. 36% du web, hein, donc c'est tout à fait logique que ce soit la cible la plus visée. Donc déjà, première chose, il faut que ton WordPress soit à jour et que tous tes plugins soient à jour le plus régulièrement possible. Suivre bien évidemment tout ce qui va être zero day, donc toutes les failles zero day qui sont sur WordPress et les plugins que tu utilises. Utiliser des plugins qui sont utilisés par beaucoup de personnes et validés par beaucoup de personnes et mis à jour très régulièrement. Et donc, ça veut dire que dans ta sélection de plugins, tu regardes dernière date de mise à jour, il faut que ça date d'il n'y a pas trop longtemps. Et enfin, je pense que la technique la plus efficace et la plus sûre pour protéger un WordPress, c'est de mettre un htaccess avec htpassword sur ton wp-admin. Donc ça veut dire que tu vas être obligé de t'authentifier deux fois. Tu vas être obligé de t'authentifier auprès de ton serveur web une première fois et auprès de ton WordPress sur un second temps. Mais clairement, là, les attaques sont beaucoup, beaucoup moins importantes. Merci, mon petit GG. Ah, c'est gentil ça, bah, regarde-moi ça, tu vois, il y a plein de. Ça doit être des domaines Ouais, exclusifs, moi, il est en train de j'imagine. tourner encore. La méthode la plus sûre, c'est de ne pas utiliser WordPress. Je ne suis pas d'accord. WordPress, c'est très bien. Alors oui, en Ah, ça effet, fait hein, le job, quoi. si tu fais des sites statiques, c'est sûr que tu n'auras pas de problème. Utilisez Wix, surtout si vous bossez dans des thèmes Bitcoin, immobilier, les cons.
Mais si les coups. Shopify, par contre, c'est que Shopify, t'as vite des contraintes. J'ai eu un cas là dernièrement avec pas mal de contraintes. Shopify ou WooCommerce? Shopify. Ah ouais, mais Shopify, tu retrouves vite coincé dans un truc, qui est pas évolutif, quoi. Ouais, normal, hein, puisque c'est un noyau global pour tout le monde. Donc, est-ce que ça répond à ta question, disciple de Batman? Merci pour la réponse, Fred et Michael. Donc, je suppose que ça répond à ta question. Parfait. Donc, pour en revenir à mes moutons, je propose du coaching SEO. Contactez-moi. Pour l'instant, c'est 100 € de l'heure. Ce sera bientôt plus. 200. Non, mais ce sera bientôt plus. Si vous souhaitez que je fasse un Tricaya live audit, n'hésitez pas à me proposer un site. Vous me contactez directement en MP, en ce que vous voulez. De toute façon, hein, ce n'est pas les moyens de communication qui manquent. Je n'irai pas au ski. Je n'irai pas au ski. Ah mon Dieu. Le 2 février, nous aurons Paul Sanchez qui nous fera l'honneur de venir sur la chaîne Tricaya Live. Laura Blanchard le 9 février. Le 16 février, on aura Patrick Valibus qui refera un petit tour par ici. Hein, on le voit quand même assez souvent, mais écoute, c'est quelqu'un de très actif et il viendra nous parler migration de site et de son outil Swan qu'il a justement concocté et fait développer pour gérer les migrations de site. On aura Sandrine Bertrand le 23 février. Et pour le reste, je vous tiendrai au courant. Restez tranquille, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ah, ciao, ciao! Salut, merci Fred. Ciao. De rien, Mika.